Amen. Glory to God. Merci Seigneur pour la lumière du soir. Thank you the Lord for the living light. Soyez-vous. You may be seated. Je vous salue tous ce matin. I greet you all this morning. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. In the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. C'est encore un grand privilège. It's again a great privilege que Dieu nous a accordé d'être ici ce matin. That God has granted unto us to be here this morning. Et nous continuons dans notre grand enseignement sur les 70 semaines de Daniel. And we're carrying on the 70 weeks of Daniel. Le dimanche passé, nous avions parlé sur les instructions de Gabriel à Daniel. Last Sunday, we spoke about the instruction of Gabriel to Daniel. Nous avions étudié sur les anges. We have studied on angels. Nous avons expliqué comment cet archange était l'archange de Dieu. We have explained how that archangel is the angel nous of God. Nous avons vu comment Gabriel c'est toujours un ange envoyé vers les Juifs. We have seen how Gabriel is always an angel sent to the Jews. Et nous avons vu comment il avait visité Daniel quand il était en 68e année de la captivité. We saw how he visited Daniel when he was in 68. Nous avions ramené ça ici avec Frère Branham. We have brought it back with Brother Branham. Pendant que Dieu répète la même chose. When God does the same things. Et nous avons vu ça ici avec le mystère de l'épouse. We have seen it here with the mystery of the bride. Et pendant la semaine, nous avons essayé d'aller plus profond. And during the week, we tried to go went in to go in deepness. Sur les déclarations du prophète qu'il avait dit. On the statement of the prophet which he said. Qu'il croyait qu'il avait une mission accomplie de ramener Israël avant sa mort. He believed he had a commission to bring back Israel before his death. Nous avons vu comment il voulait partir en Israël et Dieu lui a dit ce n'est pas le moment. We explained how he wanted to go to Israel. God told him it was not the time. Dieu lui a dit tu précipites les choses. God told him that he was rushing things. Mais après le Seigneur lui révèle que ce n'est pas sa place. Then after on the Lord revealed unto him that was not his place. Qui peut dire amen? Who can say amen? C'est très important. It's very important. Et c'est pour corriger certaines doctrines que certains frères croient parce qu'ils n'ont pas étudié ça. Just to correct some doctrine what other brother believe. Et nous avions encore ajouté comment Frère Branham a dit au cours de la semaine. We have added how Brother Branham said all along the week. Que les gens deviendront des fous. That people will become mad. Comme ils étaient fous au temps de Jérémie. And they were mad in the time of Jeremiah. C'est quoi nous voyons beaucoup de folie ici dans le message. That we see a lot of people are mad in the message. Les gens qui s'élèvent, ils sont successeurs de Frère Branham. People are rising up, making statement they are c'est taking the place of Frère Branham. Branham. Les gens deviendront fous littéralement. Yes, but I want to say people will be literally be made. Et nous avons essayé de répondre à certaines questions. We have tried to ask some questions. Doctrinal le vendredi. Some doctrinal questions. Et nous avions montré que Frère Branham dit quand l'ange là a visité Gabriel. We have shown how, but what I'm saying, when that angel visited. Quelle est la conséquence de nous ici? What is the consequence of that unto us here? De rendre nos vies. It to make our life. Rendre Christ glorieux dans nos vies. To make Christ glorious into our life. Vivre une vie où tout le monde peut dire que tu es un véritable chrétien. To live a life in such a way everybody can say you are a true Christian. Et tu es un vrai fils ou une fille de Dieu. That you are a true son and daughter of God. Alors nous voulons aujourd'hui prendre les 6 buts. Now today we'd like to speak on the 6 purpose. Aujourd'hui c'est le 6e volume. Today is the 6th volume. Mais je prendrai d'abord les 4 premiers buts. But I will just speak about the 4 purpose. Et nous allons voir les autres après. Then we'll see the remaining letter. Maintenant, rapidement, levons-nous. Now, let us all stand. Nous ouvrons nos Bibles. We open our Bibles. Dans Daniel, chapitre 9. In Daniel, chapter 9. Daniel 9. Commençons verset 20. We start from verse 20. Jusqu'au verset 24. To 24. Daniel 9. Daniel chapter 9. 20 à 24. From verse 20 to 24. La Bible dit, the Bible says, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu
Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Et me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Écoutez maintenant les sibites. Listen now the six purpose. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Amen. Daniel 9 from verse 20. And while I was speaking and praying and confessing my sin and the sin of my people Israel and presenting my supplication before the Lord my God for the holy mountain of my God. Yeah, while I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I have seen in the vision at the beginning, being caused to fly, sweetly touched me about the time of the evening oblation. And he informed me and talked with me and said, oh, Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding. At the beginning of that supplication, the commandment came forth, and I have come to show thee for thy greatly beloved. Therefore, understand the matter and consider the vision. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquities and to bring everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Let us bow our head for a while of prayer. Dieu notre Père céleste. God our heavenly Father. Encore une fois Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Once again we are so grateful to you this morning. Pour le privilège que tu nous as accordé d'être ici dans ta présence. For the privilege you have granted to us to be in your presence. Nous venons d'ouvrir cette parole bénie Père. We have just opened this blessed word. N'importe quel intellectuel peut la lire Seigneur. Any intellectual can read it. Mais quand tu as donné la vie à l'interprétation oh Dieu. But to give life and interpretation. Cela ne peut venir que de toi. That can only come from you. Je ne suis qu'un homme, Seigneur. I'm just a man, Lord. Un pécheur, Seigneur. A sinner. Sauvé par ta grâce. Saved by your grace. Mes paroles n'ont pas de vie. My word doesn't have life. Un seul mot venant de toi suffit. But one word from you is enough. Pour injecter en nous, Seigneur, cette vie Zoé de Christ. To inject unto us the Zoe life of Christ. Pourquoi viens, Seigneur? That why come, Lord. Écarte l'homme du chemin. Take the man aside. Parle au travers du ministère. Speak through the ministry. Et écoute au travers de leurs âmes. And hear through their souls. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, oh Dieu. Lord, we are so thankful. Comment cette inspiration nous bénit, Père. How this inspiration blessed us. Et Seigneur de Tout-Puissant, que le même ange. Mighty God, made the same angel. Comme Gabriel avait visité Daniel. Like Gabriel visited Daniel. Pour ouvrir son intelligence. To open his understanding. L'ange de l'Éternel lui-même. May the angel of the Lord himself. Toi, Christ, tu as visité William Branham. You Christ that visited William Branham. Tu as ouvert son intelligence. You opened his understanding. Il a saisi la vision de Dieu. He got the vision of God. Dans cet âge de l'intelligence. In this age of intelligence. Seigneur, viens encore une fois ce matin. Lord, come again once again this morning. Toi, le même ange, Père. You the same angel, qui Father. Qui a brisé les sceaux de la rédemption. That opened the seven seals of redemption. Viens, Seigneur, ce matin, oh Dieu. Come, Lord, this morning, God. Pour ouvrir notre intelligence. To open our understanding. Bénis cette parole. Bless this word. Bénis chaque fils et fille de Bless Dieu. Each son and daughter of God. Réponds à nos requêtes. Answer our requests. Délivre les captifs. Set free the captives. Sauve les perdus. Save the lost. Appelle l'épouse, Seigneur. Call the bride, Lord. À venir à la vie. To come to life. Nous nous recommandons à toi. We commit ourselves to you. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. In the almighty name of Jesus Christ. Croyant que tu as pris le contrôle. We believe you have taken the control. Que chaque esprit ici soit sous ton contrôle. Let each spirit be under your control. Et tout esprit impie. Let all evil spirits. Qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Which doesn't confess the name of Jesus Christ. Et la révélation de Malachi 4. And the revelation of Malachi 4. Chassons ça au nom de Jésus-Christ. We chase it away from you in Jesus' name. Que la gloire de la Shekinah descende. Let the Shekinah glory come down. Pour prendre la prééminence. You have the preeminence. Dans le nom de Jésus-Christ. In Jesus Christ's name. C'est ça notre prière. That is our prayer. Amen. Amen. Gloire à Dieu, amen. Glory to God. Amen.
Nous sommes dans notre enseignement sur les 70 semaines de Daniel. We are on our teaching on the 70 weeks of Daniel. Et aujourd'hui nous abordons les subites de la visite de Gabriel and à Daniel. Today we are starting with the six purpose of the visit of Gabriel to Daniel. Mais le volume 6 d'aujourd'hui nous prendrons les quatre premiers buts. But this volume 6 of today will take the four first six purposes. Les quatre premiers buts de la visite de Gabriel à Daniel. The four purpose of this visit of Gabriel to Daniel. Quand Gabriel a visité Daniel, when Gabriel visited Daniel, il lui a montré les six buts. He showed to him those six purposes. De 70 semaines. Of the 70 weeks. Le premier but c'est pour faire cesser leur transgression. The first purpose is to stop their transgression. Le deuxième but, the second purpose, c'est pour mettre fin au péché. Is to end the sins. Le troisième but c'est pour expier l'iniquité. The third purpose was to reconciliation the iniquities. Et le quatrième but c'est pour amener la justice éternelle. And the fourth one is to bring the eternal righteousness. Et le cinquième but c'est pour sceller la vision et la prophétie. And the fifth one is to seal up the vision and the prophecy. Et le sixième but c'est pour oindre le saint des saints. And the sixth purpose is to anoint the most holy. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Mais aujourd'hui nous allons voir. But today we shall see les quatre premiers buts. The first four six purposes. Faire cesser leur transgression. To stop their transgression. Mettre fin au péché. To end their sin. Expier l'iniquité. To anoint the iniquities. Et amener la justice éternelle. And to bring the eternal righteousness. Et nous ne pouvons pas comprendre ça. And we cannot understand. Sans que vous puissiez comprendre ce matin préalablement. We thought you first of all understand. Les trois arbres prophétiques. The three trees prophetic one. Les trois arbres prophétiques. The three trees prophetic. Comme David a dit dans Psaume. Like David spoke in Psaume. Psaume chapitre 1, le verset 1 au verset 3. Psaume chapter 1, verse 1 to 3. David a dit qu'un homme qui marche dans la crainte de Dieu. David said, a man that walks in the fear of the Lord. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les méchants. Blessed be a man that walks not according to the wicked. Dieu l'a planté comme un arbre. God planted him as a tree. Et il produit des fruits à chaque saison. And produce fruit in each season. Si vous les comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Remarquez ici pour que vous puissiez comprendre ce qu'on va aborder. For you to understand what we speak about. Il y a trois arbres prophétiques. There are three trees, prophetic one. Pendant que nous regardons ici au tableau, mes amis. When we are looking the picture. Dans le mystère de la Bible. In the mystery of the Bible. Nous avons trois arbres prophétiques. We've got three trees, prophetic one. Premier arbre prophétique, the first prophetic trees, c'est l'olivier. Is olive tree. Si vous comprenez, dites amen. If you understand the olive tree, je peux entendre vos amen. Can I hear your amen? C'est l'olivier. It's the olive tree. L'olivier, c'est un arbre prophétique. The olive tree is a prophetic tree. L'olivier que vous voyez ici, the olive tree that you see there, ça représente la vie spirituelle d'Israël. It representing the spiritual life of Israel. Qui peut dire amen? Okay, say amen. Quand vous lisez l'olivier dans la Bible, when you read about olive tree in the Bible, cela représente la vie spirituelle d'Israël. It's representing the spiritual life of Israel. L'olivier représente aussi la vie de l'esprit par le Messie. It also representing the life of the spirit by the Messiah. Parce que la grande promesse pour les Juifs c'était la venue du Messie. But the great promise for the Jew, it was the coming of the Messiah. C'est pourquoi l'olivier représente la vie de l'esprit par le Messie. That's why the olive tree also represents the life of the spirit by the Messiah. Et l'olivier c'est un arbre qui produit l'huile. And the olive tree is a tree that produces oil. Et l'huile dans les paraboles de la Bible. Now, all in a parable of the Bible. Lui représente le Saint-Esprit. The all representing the Holy Ghost. L'olivier produit le Saint-Esprit. The olive tree produces Holy Ghost. Parce que l'huile dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. Because all in the Bible, it means the Holy Ghost. L'olivier aussi représente le symbole de la paix. The olive tree also representing the symbol of peace. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient en vous, ça vous donne la paix. Because the Holy Ghost, when he comes in us, it gives us peace. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la paix. Without the Holy Ghost, you can never have peace. Mais quand vous lisez dans la Bible, now, when you read in the Bible, quand nous allons entrer profondément, as we go in deepness, la Bible parle de l'olivier sauvage et l'olivier naturel.
The Bible speaks about the wild olive and the natural olives. Et cela montre l'église des nations et Israël. It shows the Church of Nations and Israel. L'olivier sauvage, c'est nous l'église. The wild olive is us, the church. Et l'olivier naturel, c'est Israël. And the natural olive is Israel. Si vous avez compris, dites amen. If you understand, say amen. Maintenant, remarquez, c'est pour cela. That's why, notice. Quand nous parlons des 70 semaines, ça concerne Israël. When we speak about the 70 weeks concern Israel, c'est quoi, vous voyez que le drapeau d'Israël, you can see the flag of Israel. Même le premier but de la visitation de Gabriel à Daniel. Even the first purpose of visitation of Daniel to Vous pouvez le lire Gabriel to Daniel. Dans Romains 11, 16 à 24. You can read in Romans 11, 16 to 24. C'est pourquoi le drapeau d'Israël que vous voyez ici. That's why the flag of Israel that you see. C'est toute une révélation. Is the entire revelation. Le drapeau d'Israël, c'est les deux branches de l'olivier. The flag of Israel is two branches of olive tree. Quand ils ont concis ça par David. When they've made it by David. Il a reçu la révélation des deux branches de l'olivier. He received the revelation of three branches of olive tree. Et cela montre les juifs et les gentils. It shows the Jews and the Gentiles. C'est pourquoi même dans Zacharie 4, 3 à 14. That's why even in Zechariah 4, 3 to 14. Quand on parle des deux témoins. When we speak about the two witnesses. Ou Élie et Moïse dans Apocalypse 11. Which about Elijah and Moses in Revelation 11. On les appelle les deux oliviers. We call them those two olives. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Les deux prophètes qui prêcheront aux Juifs. Those two prophets that will preach to the Jews. Dans Zacharie, on les appelle les deux oliviers. In Zechariah, they are called two olives. On les appelle des oliviers. We call them two olives. Ou des témoins. Or two witnesses. C'est le même mystère. It's the same mystery. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? C'est pourquoi vous voyez le drapeau d'Israël. That's why you see the flag of Israel. C'est deux pyramides croisées. Two pyramids meeting one another. Cela montre la pyramide de l'église. It shows the pyramid of the church. Et la pyramide d'Israël. And Israel pyramid. Ça va se rencontrer dans le millénium. It will meet both of two in millennium. Parce que le règne de mille ans. Because the reign of thousand years. Dieu rassemblera son épouse. God will gather his bride. Qui est la pyramide des nations. Which is the pyramid of nations. Et les 144 000 juifs. And the 144,000 the Jews. Le drapeau ici, c'est toute une révélation. This flag is the entire revelation. Vous voyez. You see. C'est l'église des nations et l'église juive. Is the church of nations plus the Jew church. Cela a été représenté dans Ruth et Naomi. That was represented with Ruth and Naomi. Souvenez-vous quand Naomi retournait à Israël. Remember when Naomi was returning in Israel. Elle est retournée avec Ruth la Moabite. She went back with Ruth the Moabite. Et quand Boaz rachète Naomi. And when Boaz was redeeming Naomi. Au même moment il rachète Ruth. The same time he was redeeming Ruth. C'est pourquoi vous comprenez pourquoi. You will understand why. Quand Naomi Israël retourne, il devient une nation. When Naomi, which is Israel, becoming a nation. En 1946. In 1946. Au même moment Dieu envoie William Branham. The same time God sent William Branham. Pour le rachat de Ruth. To redeem Ruth. Qui peut dire un grand amen? Ou que vous voyez, ce amen. Sont des mystères. Those are mysteries. C'est pourquoi on appelle le drapeau ici l'étoile de David. That's why this flag is called the stars of David. L'étoile de David a six branches. The stars of David with six branches. Parce qu'il a six côtés, six branches. They've got six branches, six sides. Qui est le mystère de nombre six. Which is the mystery of number six. Souvenez-vous, Dieu a créé le monde pendant six jours. Remember, God created the world for six days. C'est pourquoi l'ange Gabriel visite Gabriel. Gabriel visite Daniel pour les six buts. That's why the angel Gabriel visit Daniel with six purpose. C'est pourquoi le monde va durer 6000 ans. That's why the world will last 6,000 years. Parce que six, c'est le chiffre de l'homme. Because six is the number of men. Vous voyez même la guerre qui a libéré Jérusalem. That's why you can see even the war that set free Jerusalem. En 1967. In 1967. A duré six jours. Only last six days. Et six correspond à la rédemption de l'homme. And six corresponding to the redemption of man. C'est pourquoi le drapeau d'Israël, Esaïe, le prophète Esaïe. That's why the prophet Isaiah. Il propose six définitions de l'honneur à rendre au Messie. Suggest six definition to the honor to render to the Messiah. Quand vous lisez dans Esaïe 11, le verset 1, verset 2. If you read Isaiah 11,
verse 1 to 2. Esaïe a dit, un rameau sortira de la source de Jessé. Esaïe a dit, a branch will come out from the source of Jesse. Il dit, un rejeton poussera de ses racines. A rejected one will come from his roots. Se réfère là à l'olivier. That referring to olive tree. Il dit, sur lui reposera l'esprit du Seigneur. Upon him will lay the spirit of the Lord. Quel esprit? Which spirit? Et l'esprit de sagesse. The spirit of wisdom. Et l'esprit de l'intelligence. Secondly, the spirit of intelligence. Esaïe a dit l'esprit de conseil. The spirit of advice. Il dit l'esprit de force. The mighty spirit. Il dit l'esprit de la science. The skillful spirit. Et l'esprit de la crainte de Dieu. And the spirit of fear of God. Parce que le Messie devait être Dieu fait homme. Because the Messiah is supposed to be God made flesh. Et il y aura six branches dans son ministère. He will have six branches in his ministry. Le Messie dans l'homme. The Messiah in man. La personne du Seigneur Jésus Christ. The person of the Lord Jesus Christ. Il a l'esprit de la sagesse. He has the spirit of wisdom. C'est pourquoi il a dit, il y a ici plus que Salomon. That's why he said they are here greater than Solomon. Il a l'esprit de l'intelligence de la parole. He has the spirit of intelligence of the word. Il a l'esprit de le conseil. He's got the spirit of advice. On dit que le Messie est le grand conseiller. He said, the Messiah is the great advisor. Et il a l'esprit de la grande force. He has the spirit of great might. Et il a l'esprit de la science. He's got the spirit of skillful. La science de la parole, la science de Dieu. The skillful of knowledge. Et il nous donne l'esprit de la crainte de Dieu. Also give the spirit of fear of loving God. C'est pour être sage dans la vie. That's why to be wise in pour life. Être intelligent, to be intelligent. Pour avoir des bons conseils, to have a good advice. La force, the might. La science et la crainte de Dieu. Skillful of fear of, and fear il of God. Tu as besoin de recevoir l'esprit du Messie. You need to receive the spirit of the Messiah. Ça dit le baptême du Saint-Esprit. It means the baptism of the Holy Ghost. C'est pourquoi le drapeau d'Israël a six branches. That's why the flag of Israel has six branches. Parce que la Bible c'est un livre caché mystérieux. Because the Bible is a hidden book, mysterious hidden book. La Bible a 66 livres. The Bible has 66 books. Un type du mystère de six branches de David. A type of the ministry of six branches of David. De Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est 66 livres. From Genesis to Revelation, 66 books. C'est pourquoi Esaïe qui parle de six branches du Messie. That's why Esaïe that speaks about six branches of the Messiah. Esaïe est le seul prophète qui a écrit la Bible en miniature. Esaïe is the only prophet that wrote a small Bible. C'est ce que Frère Branham enseigne. That's what Brother Branham teach. Le livre d'Esaïe a 66 chapitres. The book of Isaiah has 66 chapters. Comme la Bible a 66 livres. Just like the Bible has 66 books. C'est pourquoi le drapeau d'Israël est deux branches d'olivier. That's why the flag of Israel, those two branches of olive. Quand vous lisez dans Matthieu et Luc, when you read in the book of Matthew and Luke, Jésus-Christ dans sa première venue, Jesus Christ at his first coming, il est venu dans les deux branches. He came with those two branches. Regardez, quand vous le prenez dans la lignée de Joseph, when you take him in the lineage of Joseph, vous voyez que Joseph était de la famille de David. You will find that Joseph was the family of David. Le premier branche, le Messie sera un roi. The first branch, the Messiah will be a king. Jésus est de la famille royale. Jesus is in a royal kingdom. Il a eu ça par Joseph, le mari. De mari de Marie. He got it by Joseph, the husband of Mary. C'est le premier branche, vous voyez. That's the first branch. Et la deuxième branche. And the second branch. Le Messie devait être un sacrificateur. The Messiah is supposed to be a priest. C'est pourquoi Marie. That's why Mary. Était de la lignée des sacrificateurs. Was the lineage of priests. C'est là où Jésus est né. That's where Jesus was born. Parce que le Messie est les deux branches d'olivier. Because the Messiah is those two branches of olives. Il sera roi et sacrificateur. He will be king and priest. Si vous le croyez, dites un grand. If you believe, say amen. Vous voyez? You see? C'est pourquoi le drapeau d'Israël. That's why the flag of Israel. C'est là aussi représente les quatre points cardinaux. It also represents the four corners. De la manière dont Dieu travaille. The way God works. Dieu travaille par rapport aux quatre points cardinaux. God ways are going to the four corners. Vous voyez l'évangile allant de l'est. You see the gospel coming from the east. L'évangile a commencé à Jérusalem à l'est. The gospel starts in Jerusalem in the east. Et ça part à l'ouest. And it goes to the west. Quand ça part à l'ouest, ça passe par le nord. When it goes to the west, it passes
via the north. C'est pourquoi tous les messagers étaient les nordistes. That's why all messengers were from the north. Après que Jésus est mort à la croix, l'église a commencé à la Pentecôte à l'est. After Jesus died the cross, the gospel started in the Pentecost in the east. Quand nous voyons les messagers, when we see messengers, nous voyons Paul qui était quelqu'un de l'est. We see Paul from the east. Mais quand nous prenons Irénée, when we talk Irenaeus, Columban, Martin, Luther, Wesley, même William Branham, even William Branham, il a des souches du nord. From the south of the north. Et le nord du monde, c'est l'Europe. And the north of the world is Europe. Si vous le comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Et quand l'évangile arrive à l'ouest, now, when the gospel reached the west, c'est là où le même Jésus qui était à l'est, that was when the same Jesus who was in the east, il est apparu à l'ouest. He appeared in the west. Mais ici, il est couronné comme le Fils de l'homme. But here is crowned as the Son of Man. Il est le juge suprême. He is the supreme judge. En ce moment-là, l'évangile doit retourner en Israël. Then in this time, the gospel must return in Israel. Et comme ça retourne à l'est, as it's returning to the east, ça doit passer par le sud. It must go via the south. Et le sud du monde, c'est l'Afrique. And the south of the world is Africa. Vous voyez, aujourd'hui, l'évangile est en Afrique. That's why you see today the gospel is in Africa. La gloire de l'évangile est maintenant en Afrique. The glory of the gospel is in Africa. Parce que l'Afrique, c'est le sud du monde. Because Africa is the south of the world. C'est là où Dieu a promis que la reine du sud se levera. That's where God promised that the queen of the south will rise. Et vous, vous êtes la reine du sud. And you are the queen of the south. Ceci est le temps de la reine du sud. And this is the time of the queen of the south. Ceci est le temps des Africains. This is the time of Africans. Où Christ va se manifester au milieu d'eux. Where Christ will be manifested in our midst. Le monde entier doit écouter les Africains. That's why the entire world must listen to Africans. Les vrais Ephésiens 4 sont Africains. The true Ephesians 4 are African. Je ne dis pas que les autres ne sont pas les vrais Ephésiens. I don't say other they are not true Ephesians 4. Mais les preuves sont là. But the proof are there. La profondeur de l'évangile aujourd'hui. The deepness of the gospel today. C'est en Afrique. Is in Africa. C'est le sud. Is the south. Et je suis content d'être dans l'Afrique. And I'm happy to be in Africa. Être africain. To be African. Pas seulement africain. Not only African. Mais dans l'Afrique du sud encore. But I'm in South Africa. Parce que moi je vois Dieu dans tous les mystères. Because I see God in all mysteries. Vous devez comprendre ces choses. You must understand these parce things. Que Dieu ne bénit pas n'importe comment. So God doesn't bless anyhow. Lui voyant selon l'évangile. He travels according to the gospel. Et là nous voyons le mystère du oui parfait. Then where we see the mystery of the perfect age. Comme frère Branham nous l'a enseigné. But Abraham taught it unto us. On appelle aussi le drapeau d'Israël. We call also the flag of Israel. On appelle ça aussi la croix de Salomon. It also called the cross of Solomon. Et c'est ça le symbole de la prospérité. And that is the symbol of prosperity. Quand vous voyez parfois les magiciens, that was sometimes you see magicians. Et les rosicriens, and Rosicrucian people. Ils utilisent aussi ces symboles. They also use the same symbol. Pendant que je parle, while I'm talking about this, tu ne vas pas comprendre. You won't understand. Mais tu dois savoir une chose. But you must know one thing. Satan ne prend que ce que Dieu a fait. Satan only takes what God has done. Pour lui donner une autre. And to give it another meaning. Mais nous parlons ici de la vraie chose. But we're talking about the true things. C'est pourquoi nous sommes les filles de la prospérité. That's why us, we are the children of prosperity. Quand la pierre de fête descend. When the capstone comes down. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Vous voyez? You see? Le premier arbre. The first tree. Prophétique. The first prophetic tree. C'est l'olivier. Is the olive tree. L'olivier représente quoi? The olive tree representing what? Ça représente la vie spirituelle d'Israël. It represents the spiritual life of Israel. Si vous avez compris, dites amen. If you understand, say amen. Dites un grand amen. Say amen. Le deuxième arbre prophétique. The second prophetic tree. C'est le figuier. The fig tree. Et le figuier représente. And the fig tree representing, as you la see, vie nationale du peuple d'Israël. The national life of the people of Israel. Quand vous lisez le figuier dans la Bible. When you read the fig tree in the Bible. Maintenant, ça représente la vie d'Israël en tant que nation. It representing the life of Israel as a nation.
Osée 9, 10, il dit. Osaïe 9, 10, c'est. Jérémie 14, 24, 5, il dit. Jérémie 24, 1 to 5, c'est. C'est pourquoi quand Jésus marchait. That was when Jesus was walking. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Il voulait manger les fruits du figuier. He wanted to eat from the fig tree. Et il n'y avait pas de fruits. There were no fruit on il it. Il a maudit le figuier. He cursed. The fig tree. Parce que quand il est venu à la première venue, when he came at his first coming, glory. Israël n'a pas produit les fruits de la foi. Israel never produced the fruit of faith. Praise et God. Ils ont été maudits. That's why they were cursed. Et ils ont été dispersés. They were scattered. Praise God. But anyway, Frère Branham a dit ceci, mesdames. But I want to say this. Que ces enseignements, this teaching, ne sont pas pour tout le monde. It's not for everybody. Il dit que c'est pour une catégorie de gens. It's for a category of people. Parce que parfois je dis ces choses vous rêvez. Sometimes I say things you are dreaming. Ça, ce sont les choses qui nous donnent la foi de l'enlèvement. Those are the things that give us rapturing faith. Parce que l'épouse, because the bride, n'est pas attrapée par les petites prédications. She's not caught by small preaching. L'épouse est attrapée par les choses profondes. The bride, she's caught by deep teaching. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Voilà. Voilà. Vous voyez ici? You see. Vous voyez que Jésus a maudit ça. Jesus cursed that. C'était le type de la malédiction qui tombe sur Israël. It was a type of the cursing upon Israel. Ils n'ont pas produit le fruit de croire au Messie. They never produced the fruit of believing the Messiah. Et il a maudit ça. He cursed that. Et les disciples sont venus, ils ont trouvé le figuier à sécher. The disciples come and saw the fig dry up. C'est le mystère d'Israël qui va sécher pendant 2000 ans. It was the mystery of Israel that will dry up for 2000 years. Mais quand Jésus parle de la puissance là. Now, when Jesus speaks about the power. Et quand les disciples ont vu ça, ils disent, mais Seigneur. When the disciples saw that, so, Lord. Mais tu avais parlé cela à sécher. But you spoke and it dry up. Il dit, je vous dis la vérité. He said, I'm telling the truth. Pas si vous priez. Not that you pray. Mais si tu dis. If you speak à cette montagne, to this mountain, là, come out from here. Si tu ne doutes pas, if you don't doubt, ce que tu dis, ça va arriver. What you speak is come out. Mais observez ici, watch here. Pendant 2000 ans, during 2000 years, aucun juif a manifesté ça. No Jew manifested it. Aucun apôtre. No apostle manifested it. And what I'm saying, c'est l'écriture qui m'a beaucoup intrigué. Is the scripture that touched me a lot. Et Dieu est venu lui révéler. And God came to reveal unto him. C'est ça le troisième pool. And that is the third pool. C'est ça Adam restauré. That is restore Adam. Et Frère Branham est le premier. Brother Branham is the first. Qui a commencé ce ministère? Who started that ministry? Que praise God. Les écureuils soient. Let them be curious. Les écureuils fuient. They were curious. Petit poisson. Little fish. Je te donne la vie. I give you life. La tempête. Storm. Arrête-toi. Stop. Kiste. Cease. Qui te met dans. Come out. Il n'a pas prié. He never prayed. Hallelujah. Il a prononcé la parole. He spoke the word. C'est pourquoi Frère Branham. That's why Brother Branham. Il nous dit mes amis. He's telling us my friend. Il a exposé. In a seven chapter book. Il prononce la parole. Speak the word. Hallelujah. Dieu l'accomplira. I'll bring it to pass. C'est mon alliance. My covenant. Elle est infaillible. Is infallible. Amen. Amen. Quand un prédicateur. When a preacher. Il est scandalisé. He stumble. Dans le premier volume. In the first volume. Quand l'enseignant a dit. When the teacher say. Le temps de prier. The time of praying. Au nom de Jésus. In the time of Jesus. Était terminé. Was finished. Mais nous sommes dans la jonction de la transition. We are in the junction of transaction. Parce qu'ils ne comprennent pas. Because they don't understand. Moi, je vais retourner à l'Éden. Oh, me, I want to return in Eden. Moi, je veux la puissance de Marc 11. Me, I want the power of Mark 11. Prononcez la parole. Speak the word. Et cela va arriver. It shall come to pass. Que je peux dire quelque chose? Can I say something? Ce n'est pas que Branham est comme Adam. It's not that Branham is like Adam. Je vais ajouter quelque chose aujourd'hui. I will add something today. Frère Branham est plus qu'Adam. Brother Branham is greater than Adam. Praise God. Praise God. Que le monde m'écoute. Let the world listen to me. Tout ce que Adam fait. Everything Adam did, de déplacer les montagnes, it was to remove mountains, d'arrêter la tempête, to stop the tempest. Mais Adam, but Adam n'a jamais créé, never created. Mais ici avec but Branham, here with Branham, il fait tout ce qu'Adam a fait. He did everything Adam did. Et il fait ce qu'Adam n'a pas fait. He did what Adam never did. Ce que Frère Branham a fait là. What Branham did. Il n'y a que Dieu qui fait. Only God that does it. C'est ça même qui fait de lui Dieu.
That what make him God. Pourquoi il est Dieu? Why is he God? Parce que Dieu God peut créer, can create, amener à l'existence, to bring to existence, dans le néant, in nothing. Dieu égal à Satan. God equal to Satan. Satan a tous les pouvoirs que Dieu a. Satan had all the power God has. Parce qu'il était son archange. He was his archangel. Dieu lui a donné beaucoup de secrets. God gave him a lot of secrets. Satan connaît s'incarner. Satan knows how to incarnate it. Il s'est incarné dans les serpents anciens. He was incarnated in the old serpents. Mais il y a une chose que Dieu ne lui a pas donné. But there's one thing God never gave to him. C'est de créer. It was to create. Satan n'est pas un créateur. Satan is not a creator. Satan c'est un pervertisseur. Satan is only to pervert. Mais, but Dieu a dit, je donnerai ça à mon fils. God said, I'll give it to my son. Parce qu'un fils de Dieu, because a son of God, c'est Dieu, is God. Le fils du lion, the son of a lion, un lion, is a lion. Le fils d'un homme, the son of a man, c'est un homme, is a man. Le fils d'un chat, c'est un chat. Is a dog. Si on est le fils de Dieu, if we've got the son of God, alors il faut créer. Then we need to create. C'est pourquoi Alleluia. La Bible avait promis. That was the Bible promise. La nature soupire. Nature is groaning. Le monde attend. The world to see la manifestation. The manifestation. Des fils de Dieu. Of the sons of God. Et dans ces derniers jours. In these last days. La nature. Nature. Le monde. The world. A vu pour la première fois. They have seen for the first time. Un fils de Dieu. A son of God. Manifesté. Manifested. Et si frère Branham. And if Brother Branham. Il a créé. He created. Branham est mon père. Branham is my father. Est-ce que vous le croyez? Do you believe? Qu'il est votre père? He is your father. Si mon père, if my father, peut créer, can create, moi aussi, me too, je peux le faire. I can create. Praise God. Praise God. Vous êtes les enfants de Malachi 4. You are the children of Malachi 4. Il y a un pouvoir qui est en nous. There is a power in us. De créer comme Dieu. To create like God. Prononcer la parole. Speak the word. Créer l'atmosphère. Create the atmosphere. Parce que femme me prêche. Pour avoir un preach. L'atmosphère. The atmosphere. L'atmosphère. The atmosphere. L'atmosphère. The atmosphere. Il produit. Produce. Les résultats. The result. Tu veux l'argent? You want money. Créer l'atmosphère de la richesse. Create. Atmosphere of wealth. Tu veux un bébé? You want a baby. Créer l'atmosphère de la maternité. Create the atmosphere of maternity. Toute est atmosphère. All is about the atmosphere. Amen dans l'atmosphère. That's why. Amen dans l'atmosphère. Amen is in the atmosphere. Nous sommes dans l'atmosphère dans les lieux célestes. We are in the atmosphere in the heavenly places. Les bruits que vous faites là. The noise you are making, c'est une atmosphère. Is an atmosphere. Ça vous change. It changes you. Ça vous délivre. It sets you free. Ça vous guérit. It heals you. Est-ce que vous le croyez? Do you believe? Je prononce la parole. Speak the word. Que vous êtes béni. And you are blessed. Parce que je suis un fils de Branham. Because I'm a son of Branham. Vous voyez? You see. C'est pour cela. That's why. Matthieu 24:32. Matthieu 24:32. Jésus a dit. Jesus said. Le figuier qui était séché. The fig tree which was dry up. Quand vous verrez le figuier bourgeonner. When you shall see the fig tree bring forth burden. Cette génération-là ne passera point. That generation shall never pass away. Pendant 2000 ans. During 2000 years. Le figuier Israël. The fig tree Israël. Qu'est-ce que signifie le figuier? What is the meaning of fig tree? La vie nationale. The national life. Ah, merci, docteur. Oh, thank you, doctor. Israël n'existait plus en tant que nation. Israel no longer exists as a nation. Cela a séché. It dried up. Titus les a dispersés. That has scattered them. Mais quand ils bourgeonnent. But when they bring forth burden. Le 6 mai 1946. The 6th May 1946. Quand cela a bourgeonné, when it bosomed, Jésus a dit cette génération ne passera Jesus point. Jesus said that generation will never pass. Moi je vais venir. Me I shall come. Une génération c'est 40 ans. A generation lasts 40 years. Entre 46 et 86. Between 46
to 86, dans cet espace-là, in that space of time, le Seigneur devait venir. The Lord had to come. Ouais, nous, nous sommes les croyants. That was us, we are believers. Nous disons qu'il est déjà venu. We are saying he already came. Et le septième ange nous l'a montré. And the seventh angel pointed us to him. Il est venu à la première fenêtre. Because when he came in the first, aucun sacrificateur ne pouvait le Alleluia. Voir. No priest could see him. Aucun apôtre. No apostle could see him. Un prophète. But a prophet. Plus que prophète. More than a prophet. Jean-Baptiste était le seul. John the Baptist was the only one. À vous dire que c'est lui. To show him unto us. Que vous le comprenez ou pas. May you understand it or not. Quand il dit que c'est lui. When he said it's him. Vous croyez ça. You believe that. Que vous le voulez ou pas. May you want it or not. Aucun bishop. No bishop. Aucun prédicateur. No preacher. Aucun américain. No American. Aucun congolais. No congolese. Ni kimbangu. No kimbangu. Devait savoir. Could have si know. Jésus est venu ou pas. If Jesus came or not. Le seul. The only one. C'est Jean-Baptiste du 21e siècle. John the Baptist of the 20th century. C'est William Branham. Is William Branham. Et quand il vous dit que, when he tells you le that, voici, this is his. Voici son nez. This is his nose. Voici sa bouche. This is his mouth. C'est Jésus là-haut. Is Jesus up there? Même si tu penses, even though you think, c'est un nuet. Is a cloud. Mais il dit que, he's telling you, c'est un nuet là. This cloud. C'est Jésus. Is Jesus. Est-ce que vous le croyez? Do you believe? Ah, nous croyons ça, mon frère. We believe that. Nous croyons ça. We believe that. Qui peut dire amen? Who can say amen? Il ne peut pas venir en dehors du figuier. He cannot come outside of the fig tree. Oh, praise God. C'est un arbre prophétique. It's a prophetic tree. Les gens attendent Jésus sans l'arbre prophétique. People are waiting for Jesus without the prophetic tree. Nous sommes ici pour boucher les gens. We are here to shake people. Que même l'arbre ne vous enseigne pas. Even the tree doesn't teach you. Que quand les figuiers bougent, that when the fig tree blossoms, cette génération-là ne passe pas. That generation cannot pass away. C'est la vérité? Is it true? Oui, c'est Alleluia. La vérité, mes amis. Yeah, is it true, my friend? Il est temps de détruire tous les royaumes des incrédules. It's time to destroy all kingdom of unbelievers. De faire élever l'épouse. And to raise up the bride. Au-dessus de l'incrédulité. Above unbelief. Parce qu'ils ne seront pas nombreux. Because there won't be many. Parce que l'épouse est la minorité. Because the bride is the minority. Combien peut dire amen? Amen, que c'est amen. Yes, sir. Yes, sir. Le figuier. The fig tree. C'est le deuxième arbre prophétique. Is the second prophetic tree. Qui représente la vie nationale d'Israël. Israël revient une nation. That representing the national life of Israel. When Israel becoming a nation. Le troisième arbre prophétique. Now, the third prophetic tree. C'est la vigne. Is the wine. La vigne représente la vie religieuse d'Israël. The wine representing the religious life of Israel. Par le Messie. By the Messiah. Jean 15, 5. John 15:5. Moi, Jésus dit, je suis le cep. That's what Jesus said, the cep. Vous êtes le sarment. You are the branches. Parce que la vigne, because the wine produce le vin. Wine. La vigne produit le vin. The wine produce wine. Et le vin, and wine, c'est la stimulation de la révélation. Is the stimulation of revelation. Le vin, wine, c'est la révélation de la parole. Is the revelation of the word. C'est pour cela. That's why. Dans Juge 9, 7 à 21. In Judge 9, 7 to 21. Dans le mystère de l'apologie de Jordan. In a mystery of apology of Jordan. Et quand Gédéon est mort. When Gideon died. Il avait laissé 70 enfants. He left 70 children. Mais il avait un enfant bâtard. But he had a bastard child. Appelé Abimelech. Called Abimelech. Lui, il a pris une pierre. He took a stone. Il est venu tuer tous ses frères. He came and killed all his brothers. Mais un seul s'est échappé. But one only escaped from the killing. Il était le plus jeune. The youngest. Et c'était Jordan. It was Jordan. Quand il s'est échappé, when he escaped, il est parti se mettre dans la montagne de Garizim. Then he went on top of the Mount Garizim. Et il a dit, oh. And he said, oh. Je vais vous dire un mystère. I give you a mystery. Il dit, les arbres étaient partis oindre un roi. So the trees went to anoint a king.
Les arbres de la forêt. The trees of the forest. Voulaient un roi. Wanted a king. Ils sont partis chez l'olivier. They went to the olive tree. Il dit olivier. This olive tree. Règne sur nous. Rule over us. Olivier a dit moi. The olive tree said me. Est-ce que je peux laisser l'huile? Can I drop my oil? Que je produis que les hommes sont bénis. Which I produce for people to be blessed. Pour devenir le roi des arbres. To become the king of the trees. L'olivier a refusé. The olive tree refused. Parce qu'un arbre c'est l'homme aussi. Because a tree represents also men. Souvenez-vous d'Abouconosor, vous n'oubliez pas la parole. Remember d'Abouconosor, don't forget the word. Pour que Dieu le punisse pendant 7 ans. For God not to punish. La vision c'était un arbre qui a été coupé. The vision was a tree which been cut off. L'olivier connaissait sa position. The olive tree knew its position. Moi, je suis positionné ici. Me, I'm placed here. Et je produis de l'huile. I'm producing oil. Un enfant de Dieu, tu dois avoir une position à l'église. A child of God must have a position in church. Quelle est ta position, amen? What is your position in Amen Tabernacle? Tu produis quoi, amen? What do you produce in Amen? Tu nous réjouis par quoi? In what are we rejoicing from you? Qu'est-ce que tu produis dans cette église? What do you produce in this church? Olivier savait que je produis lui. The olive tree knew that he was producing the oil. Le Saint-Esprit. The Holy Ghost. Les arbres ont laissé l'olivier. John left the olive tree. Ils sont partis chez les figuiers. They went to the fig tree. Bon, figuier. Oh, fig tree. Règne sur nous. Rule over us. Le figuier a dit moi. The fig tree said what? Me. Je peux laisser ma position. Must I drop my position? Moi qui produis les figues, les fruits. Me just produce fruit. Qui fait réjouir l'homme. That rejoice man. Quand il mange, il a le goût dans ses dents. When he eat, he enjoying my fruit. Je produis les fruits de l'esprit. I'm producing the fruit of the spirit. Je produis les vertus. That produce virtues. De la foi jusqu'à la charité. From faith to charity. Je produis les fruits de l'esprit. I'm producing the fruit of the spirit. La joie. Joy. La bonté. Goodness, l'amour, love. Je peux laisser ça pour aller devenir roi des arbres. Must I drop it and go and become king of the trees? Il savait sa position. He knew his position. Les arbres sont partis voir la vigne. Now the trees went to see the vine. Vigne devient notre roi. Oh vine, please become our king. Règne sur nous. Rule over us. La vigne a dit. The vine said. Moi, je peux laisser. Must I drop le vin que je donne à l'homme? The wine that I give to man. Qui réjouit le cœur de l'homme. That rejoices. Man heart, la révélation, the revelation que je donne à l'homme, that I give to man, je peux laisser ça, must I drop it, pour devenir roi des arbres, to become king of trees, la vigne a refusé, the vine refused, observez, watch here, les trois arbres ici savaient leur position en Christ, those three trees knew their position in Christ, en Christ, in Christ, nous sommes les arbres, we are the trees, plantés dans son royaume, planted in his kingdom, chacun amen, doit produire les fruits. Each one must produce his own fruit. Comme Psaume 1 dit. Like Psaume chapter 1 say. Qu'est-ce que tu produis, amen? What do you produce in Amen Tabernacle? Depuis que tu es venu. Since you came here. Tu ne prêches pas. You don't preach. Tu n'es pas musicien. You are not a musician. Tu ne fais rien. You do nothing. Tu n'as pas conçu l'église. You never built the church. Tu produis quoi? What do you produce? Alors, then, les arbres sont partis chez les pines. The trees went to the horns. Allez lire ça à la maison. Go and read the tome. Les épines ont dit, venez, venez, venez. The horns say, come. Venez vous tous. Come, 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 all of you, come on you. Venez se réfugier sous mon ombrage. Come under my shadow here. Si vous ne venez pas, if you don't come, un feu sortira du Liban. A fire will come from Lebanon. Ça va vous brûler. Will burn you up. Vous voyez les épines. You see the horns. C'est un arbre. Is a tree. Qui fait du mal aux gens. That hurt people. Les épines, the horns, c'est un arbre de la malédiction. Is a tree of curse. Quand Dieu a maudit la terre, when God cursed the earth, il y aura des épines. There will be the horns. Ça dit avant il y en avait pas. Being before there never be horns. Si je peux dire quelque chose, if I can say something, il y a des pasteurs épines. There are pastors that are horns. Des anciens épines. Elders horns. Amen a des problèmes. Oh, amen, tu as des problèmes. Les brebis ne savent pas où aller. The sheep don't know where to go. Kayumbi, Kayumbi, viens devenir notre pasteur. Come become a pastor. Il dit, oh frère. Oh, oh brother. Moi je peux laisser Zoé. Must I leave Zoé? En Bujimai. In Bujimai. Pour venir pasteur à Djogou. To come and pastor in Djobek. Non, moi je. No, no, I don't want. I don't. I want come. Kalumbu, Kalumbu,
Viens devenir notre pasteur. Come become a pastor. Même si j'étais associé. Even though I was associated. Je peux laisser là-bas. Must I leave over there? Pour venir à Jobu. To become in Jobek. Même si c'est la ville de Mandela. Even though it is the city of Mandela. Ngomat. Ngomat. Viens régner sur nous. Come rule over us. Dis moi, je suis pasteur au Gabon. Me, I'm a pastor in Gabon. Mais vous voyez le pin? You see the horns? Il dit, venez vous tous. Come all of you. Venez. Come, come. Come, come, come. Est-ce que les aigles comprennent? Eagle, do you understand? Les paroles ne changent pas. The word don't change. Venez vous tous écouter come, mes bancs. Come all of you, listen to my tape. Si vous ne venez pas, vous allez mourir. If you don't come, you'll die. Ce sont les épines. Don't horses. Un vrai prédicateur. A true preacher. Ne va pas là où on l'appelle. Doesn't go where he's been called. Mais il reste là où Dieu l'a mis. But he stay where God has put him. Je suis un arbre planté à Johannesburg. I am a tree planted in Johannesburg. Dieu m'a planté ici. God planted me here. C'est moi j'ai produit le vin. That's why I produce the truth. C'est moi vous êtes ivre. That's why you are free. De la révélation de 70 semaines. You are what, drunk with the revelation of 70 weeks. Et j'ai produit le Saint-Esprit. I'm producing the Holy Ghost. Qui peut dire amen? Who can say amen? C'est un vrai ministère. A true ministry. Doit amener les gens. Must bring people. Ça c'est le mystère d'un vrai prédicateur. That is the mystery of a true preacher. Il doit être l'olivier. You must be an olive tree. Le figuier. You must be a fig tree. Et la vigne. You must be the one. Branham dit c'est ça retour à l'Éphésien. Branham said that is the return to Ephesians. Praise le God. Le but du ministère à l'église. The purpose of the ministry in the church. C'est d'amener chacun de vous à l'huile. Is to bring each one of you to the oil. Au baptême du Saint-Esprit. To the baptism of the Holy Ghost. Je vais entendre un grand amen. I want you to speak amen. Et c'est de vous amener. He is to bring you. Au fruit de l'Esprit. To the fruit of the Spirit. Le fruit de l'Esprit. The fruit of the Spirit. C'est la joie. His joy. C'est la paix. His peace. C'est les vertus. His virtues. Et ça vous amène. And it brings you. Au vin. To the wine, à la révélation de la vraie parole. To the revelation of the true word. Voici l'église que nous voulons. That is the church that we want. Que praise Dieu God. M'écoute ce matin. May people listen to it this morning. Fais-moi grâce, Seigneur. Be merciful to me, j'aimerais Lord. J'aimerais amener chacun de vous. I would like to bring each one of you. À l'huile. To the oil. Chacun de vous. Each one of you. Au fruit de l'esprit. To the fruit of the spirit. Et chacun de vous. Each one of you. À la compréhension. To the understanding clair de la parole. Of the clear of the word. Qui peut dire un grand amen? Amen. Voilà. This is. Les trois arbres, le mystère des trois arbres prophétiques. These are the mystery of three prophetic trees. Si vous avez compris, dites un grand amen. If you understand, say big amen. Comme vous comprenez ça. As you understand this. Remarquez maintenant que le premier but. Notice. The first purpose. Que Gabriel, which Gabriel, a dit à Daniel, spoke to Daniel, que 70 semaines ont été fixées. That 70 weeks was fixed. Le premier but, the first purpose, de la visitation de Gabriel à Daniel, or the visitation of Gabriel to Daniel, c'est pour faire cesser leur transgression. Is to finish their transgression. Faire cesser leur transgression. To finish their transgression. Il faut qu'ils cessent l'impiété du peuple de Jacob. They must stop the wrong things of the people of Jacob. Par définition, definition of that, transgresser, to transgress, veut dire, it means, c'est passer au-delà, is to go over, ou encore et enfin enfreindre, or to do wrong, ou encore ne pas tenir compte, or not to consider, ou encore violer une loi, or to violate a law, ou encore désobéir, or to be disobedient, ou encore briser une loi, or to break a law, ou encore commettre l'infraction, or to commit infraction. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Dieu va cesser leur transgression. God will finish their transgression. Parce qu'ils avaient brisé la loi de Because Dieu. They broke the law of Moses. Ils n'étaient pas tenus compte de la loi. They never stood on the law. Ils avaient violé la loi de Dieu. They violated the law of God. Ils avaient transgressé la loi. They transgressed the law. C'est pourquoi vous allez voir même. That's why you can even see. Avant même d'aller à la déportation. Before to go to deportation. Qu'est-ce qui les a amenés à la déportation? What brought them to deportation? Je vous ai prêché le deuxième volume. I preached you the second volume.
Ils brisaient les lois de Dieu. They were breaking the laws of God. Ils vivaient dans l'adultère. They were living in adultery. Ils détruisaient les veuves et les orphelins. They were destroying widows. Ils n'obéissaient pas au sabbat. They were not obedient to sabbath. C'était une loi. It was a law. Mais ils transgressaient. They were transgressing it. Ils n'obéissaient pas aux lois du relâche. They were not obedient to the law of release. La loi du septième année. The law of the seventh year. Ils transgressaient ça. They were transgressing it. Comme il n'y a pas de loi sans sanction, as there's no law without punishment or sanction, Dieu les a punis, God punished them, pour aller à la déportation. To go to deportation. Pendant 70 ans. In captivity for 70 years. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Mais leur plus grande transgression, now, one of the great transgressions, arrive ici à la venue de Jésus. Happen here at the coming of Jesus. À la première venue, at his first coming, c'est quoi Jésus dans Matthieu 15:3? That was Jesus in Matthew 15:3. Il dit, vous transgressez la loi. He said to them, you are transgressing the law. Et le commandement de Dieu. And God's commandment. Au profit de vos traditions. Because of your customs. Dieu leur a promis le Messie. God promised them the Messiah. C'était une loi. It was a law. Une promesse. A promise. Quand cela s'est accompli, when it was fulfilled, ils ont refusé de croire. They refused promise. Ils ont transgressé la loi de croire. They transgressed the law to believe. À cause de leur tradition. Because of a tradition of custom. À cause des choses passées. Because of past things. Parce que because cette absence de la piété, that absence of godliness, et de non-respect pour Dieu, of lacking respect toward God. Jésus dit dans Jean 12, 37 à 43, Jesus said in John 12, 34, la Bible dit que malgré beaucoup de miracles, the Bible said, besides a lot of miracles, et des signes que le Messie avait manifestés, and wonders that the Messiah manifested, mais ils n'ont pas toujours cru. They still didn't believe. Ils n'ont pas cru à ça. They never believed in that. Ils étaient aveuglés pour voir. They were blind. Leur Messie était là. Their Messiah was there. Il a accompli tout ce que la Bible a dit du Messie. He fulfilled everything which the Bible said about the Messiah. Mais ils n'ont pas cru. Still, they never believed. Et Jésus leur a reproché. Then Jesus rebuked them. Vous transgressez la loi. You are transgressing the law. Au profit de vos traditions. Because of your customs. Branham, cela veut dire quoi? Branham, c'est. Mais ils craignaient leur chef. But they were scared about their chief. Que si je crois? If I believe. Le sacrificateur dira quoi? The priest, what was he going to say? Les traditions des chefs. Tradition of priest, chief. Les pharisiens. Pharisees. Un esprit du Nicolaïsme. A spirit of Nicolaïsme. Au cours des âges. All along ages. Et je vais vous dire quelque chose à vous ici. I'll tell you something here. Même si ça les concerne. Even though it's concerning me. Cet esprit est encore dans le message. That spirit even in the message. L'esprit des chefs. The spirit of chief. L'ancien dit ceci. The elder said this. Tel a dit ceci. Oh, such said this. Tel grand dit ceci. Tel great said this. Je, tellement que je respecte. Moi, je respecte l'ancien. Me, I'm respecting the elder. Oui, je respecte les anciens. Yeah, I'm respecting the elders. Il faut respecter les anciens. You must respect elders. Même à l'église. Even in church. Les enfants doivent respecter les parents. The children must respect parents. Qui peut dire amen? Who can say amen? Respectez les gens qui sont plus âgés que vous. Respect people are older than you. Ils sont vos anciens en âge. They are older in age to respectez you. Respectez les anciens de l'église. Respect the elder in the church. Si vous le croyez, dites amen. If you say amen. Nous devons respecter nos anciens dans le message. We must respect our elders in the message. Ils ont beaucoup travaillé pour Dieu. They've worked a lot for God. Si ne nous avaient pas prêché, on ne viendra pas. If they never preached to us, we could have never come. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Mais moi, voici, j'ai des problèmes comme Jésus. But I've got a problem like Jesus. Malgré le respect là, beside that respect, mais je ne peux pas refuser de croire la parole. But I cannot refuse to believe the word. Parce qu'un ancien ne croit pas. Because an elder doesn't believe. Parce qu'il est mon chef. Because he's my chief. Moi, je crois à l'évêché. Me, I believe the elders. Si tu es pasteur, if you are a pastor, l'église dont tu viens, the church you come from, ton pasteur là est ton évêque. Your pastor is your bishop. Mais frère Branham a dit, but Barabara me say, dans les questions-réponses, in question and answer, il dit avec ce genre de respect, with this type of respect, comment auriez-vous la foi de l'enlèvement? How can you get the faith of the rapture? Tu
Tu veux croire la parole? You want to believe the word? Mais comme je respecte l'ancien, because you respect the elder, je ne crois pas. You don't want to believe. Branham vous demande. Branham is asking you. Avec ce genre de respect là, with those type of respect, contraire à la parole, contrary to the word, comment auriez-vous la foi de l'enlèvement? How can you expect to get the rapturing faith? J'ai besoin de croire les messages. I need to believe the message. Mais je crains ma femme. But I'm afraid about my wife. J'aimerais croire. I would like to believe. Mais je crains mon mari. I'm afraid about my husband. J'aimerais croire. I would like to believe. Mais je perdrai du boulot. I'll lose my job. Avec ce genre de respect. With those type of respect. Vous transgressez la parole. You are transgressing the word. Même ici, amen. Even here in amen. Vous devez me croire. You must believe me. En tant que votre ancien. As your elder. Est-ce que vous le croyez? You believe. Quand je reste avec la parole. When I remain with the word. Tu as le droit. You've got the right. De refuser. To refuse. Si je te dis quelque chose. If I tell you something. Qui n'est pas la parole. Which is not the word. Je vais entendre un amen. I want you amen. Ces respects-là, vous voyez les prédicateurs? You see, those type of respect. Chaque église est succursale à Jobu. Each church are branches in Jobek. Nous nous sommes la branche de telle. As we are the branch from such church. Pas ici. Not here. Nous sommes une église autonome et souveraine. We are autonome and sovereign. Nous ne dépendons de personne. We depend of nobody. Nous prêchons ce que Dieu nous révèle. We preach what God revealed to us. Même si c'est contraire à l'ancien, even though it can be contrary to the elder, je le respecte. I respect him. Mais je respecte la parole. But I respect the word. Plus que lui. More than him. Comme moi, je suis souverain. That's why I am sovereign. Oui, comme le pasteur Kami nous avait dit en 2000, non? Quand just, j'étais jeune ministre. Just like Pastor Kami told us in 2000 when I was young minister. Nous traitons toi souverain, moi souverain. We are dealing. You are sovereign. Me too. I'm sovereign. Moi souverain premier, I'm sovereign. Toi souverain. You too, you also sovereign in your church. Que tu sois mon pasteur. You may be my pastor. Comme je suis pasteur d'Amen. Like I'm pastor in Amen. Tu étais mon pasteur. You used to be my pastor. Mais quand on parle de la parole, when we speak about the word, c'est deux souverains. We're talking about two sovereign people. Je vais entendre un amen. I want you. Les amen. Pharisiens n'ont pas cru en Jésus. Pharisees never believed in Jesus. Ils ont transgressé la loi. They transgress the law. Laissez-moi vous frapper la fort. Let me hit you. Même à l'église, si les gens ont cet esprit. Even in this church, people have that spirit. Ce que le pasteur Zakola dit là. What Pastor Zakola said there. L'ancien n'a pas dit comme ça. That elder never said that. Like tu that. Vois là où nous venons. Oh, you see where we come from. Toi, tu viens d'où? Where do you come from? Where do you come from? Moi, je viens de l'éternité. Me, I come from eternity. Alléluia. Peu importe ce que vous faisiez là-bas. No matter what you used to do in that church. Vous devez considérer la parole. You must first of all consider the word. Sinon vous allez transgresser la loi. Otherwise you will transgress the law. C'est pourquoi beaucoup ne croient pas nos enseignements. That's why many don't believe our teaching. À cause de la tradition des anciens. Because of elder tradition. Ils les ont dit que. They've told them that. Ce sont des fausses doctrines. Oh, these are false doctrines. Exactement comme les pharisiens disent. Exactly like Pharisees used to say. Mais les vrais élus, but true elect, ils s'en foutent des traditions. They don't care about tradition. L'effet de l'absence de la piété, because they never had godliness in them. C'est pourquoi dans Jérémie 5, 23, that's why in Jeremiah 5, 23, et Jérémie 44, 15 à 19, notez ça, vous allez lire à la maison. And Jeremiah 44, 2 to 19, c'est même le type d'aujourd'hui. Is the same type today. Beaucoup de sœurs n'ont plus la joie de salir ici à l'église. Many sisters, they don't have a joy of salvation church. Beaucoup ne viennent même plus. Many, they no longer come. Vous savez pourquoi ils ne viennent plus? You know why they are not coming anymore? C'est le problème de transgresser la parole. It's because they are transgressing the word. Ils ont dit à Jérémie là. Over there, they said to Jeremiah. Je prends ça avant la déportation, même avec Jésus. I'm taking it before the captivity and with Jesus as well. Est-ce que vous me suivez? Are you with me? Ils ont dit Jérémie. They said to Jeremiah. Quand on respectait la loi de Dieu, when we used to respect the law of God, nos femmes étaient toujours stériles. Our women, they were still barren. On n'a pas toujours l'argent. We never had money. Mais quand on a commencé à invoquer Astarte, but when we start to call upon Astarte, et toutes ces reines du ciel, and all those queen of elles heaven, idoles,
And adults, regarde comment on a eu l'argent. Look the way we got money now. Regarde comment on a prospéré. Look the way we are prospering. Alors Jérémie, and then Jeremiah, tes prédications là, your preaching, nous ne croyons pas. We don't believe in it. Ça ne nous donne pas l'argent. It doesn't give us ça money. Ça ne produit rien. It doesn't produce non, anything. On ne veut pas. No, we don't longer want it. Ils ont transgressé la loi de Dieu. They transgressed the law of God. En rejetant un prophète. By rejecting a prophet. Au profit de leur bien. Because of material good. C'est pourquoi l'esprit là vient sur vous. That's why that spirit come on you. Depuis qu'on est amen, ce sont des mystères, c'est vrai. Since we are in amen, but just mystery is true. Depuis que j'ai quitté. Since I left. Depuis que je ne viens plus à l'église. Since I no longer come to church. Quand j'ai refusé de croire. When I refuse to believe. Je vois les business marcher. Can't you see my business is prospering? Tu vois? Can't you see? C'est ça le problème. That is the problem. Les pharisiens ont transgressé la loi. Pharisees transgressed the law. On n'est pas croire à Jésus. Of not believing in Jesus. Jésus était toujours pauvre. Jesus was always poor. Mais ils sont devenus plus riches. But then they become so rich. Mais au temps de Dieu. But in the time of God. Titi s'est venu les détruire. That has come to destroy them. Ici. Here. Restez dans la loi de Dieu. Stay in God's laws. Dieu leur a dit. God told them. Vous m'avez laissé moi. You forsook me. Moi la source d'eau intarissable. Me. The source of God, of water. Vous êtes parti dans les citernes crevassées. You went into broken cistern. Vous m'avez laissé moi Dieu. You dropped me. Frère Banham prêche citernes crevassées. Brother Banham preach broken cistern. Jérémie a dit que vous avez laissé Dieu, vous êtes parti dans les citernes crevassées. Jeremiah said you left God, you went in a broken cistern. Vous voyez? You see? Même en ces temps-là. Even those days, tellement qu'ils transgressaient les lois de Dieu. So much they were transgressing God's law. Dieu a dit à Jérémie. God said to Jeremiah, ainsi dit le Seigneur. That said the Lord. Prends le vin. Take the wine. Va chez les Rechabites. Go to the Rechabites. C'était une tribu là qui vivait au milieu d'Israël. It was a tribe living in the midst of Israel. Et Jérémie est parti chez les Rechabites. Then Jeremiah went to the Rechabites. L'ordre de Dieu. Under God commission. Il dit, prenez le vin, buvez. He said, take the wine and drink it. C'est Dieu qui m'a dit de vous dire ça. It God told me to tell you that. Ils ont dit, même si c'est Dieu. They said to Jeremiah, even though it's God. C'est contraire à la foi de nos pères. It's contrary to the faith of our fathers. Nos pères nous ont dit. Our fathers told us. Vous les Rechabites. You Rechabites. Vous ne prendrez pas du vin. You will never drink wine. Et c'est Dieu qui avait dit ça à nos pères. It was God that spoke to our fathers. Comment le même Dieu t'envoie? How come the same God sending us to you? Quelque chose de contraire. To tell us something contrary. À la foi de nos pères. To the voice of our fathers. Il dit non, nous ne voulons pas. They said no, we don't want. Et Jérémie est rentré. And Jeremiah returned. Dieu dit à Jérémie. God said to Jeremiah. Je voulais te montrer ce que les Rechabites sont fidèles. I wanted to show you how Rechabites are faithful. Mais mon propre peuple d'Israël. But my own people of Israel. Au lieu de rester dans la loi de leur père Moïse. Instead of remaining into the law of their father Moses. Il leur avait révélé. That revealed unto them. Ils m'ont abandonné. They forsook me. Mais les Rechabites. But Rechabites. Ils n'abandonnent pas la foi de leur père. They don't forsake the faith of their father. C'est quoi nous sommes les Rechabites. That was us. We are Rechabites. Toi tu es Rechabite. You are Rechabites. Salut ton frère. Greet your brother. Si tu dis Dieu te bénisse sur Rechabites. God bless you. Tell me God bless you Rechabites. Nous sommes les Rechabites. We are Rechabites. Ici. Here. Nous avons reçu le père de la foi. We have received the father of faith. William Branham. William Branham. Abraham de l'Ancien Testament. Abraham of the Old Testament. C'est Branham dans les derniers jours. Is Branham in these last days. H-A-M. H-A-M. Père des nations. Father of nations. Père des Congolais. Fathers of Congolese. Père des Sud-Africains. Father of South Africans. Père des Gabonais. Father of Gabonese. Père des Angolais. Father of Angolese. Père des Malawites. Father of Malawites. C'est Branham. Is Branham. Père des Baluba. Father of Baluba. Est-ce que Moluba peut dire amen? Que le Moluba say amen. Père des Bangala. Father of Zulu. Non, le Moluba dit amen au Chiluba, eyo. Ah, the Moluba saying amen, Chiluba, eyo. Père de Bangala.
Father of Bangala. Père de Zulu. Father of Zulu. Père de Kosa. Father of Kosa. Père de tous les Ngombe ici. Father of all the tribe Ngombe. Et lui nous a révélé la foi. And him has revealed unto us the faith. Même si un prophète apparaît au Nigeria, even though a prophet can come from Nigeria, il apparaît où? Coming from whatever place, il vient nous dire, and come and tell us, d'obéir à quelque chose, to obey something qui est contraire, which is contrary, à la foi révélée par Malachie, to the faith revealed by Malachi. Nous nous sommes les récabites. We are récabites. Nous disons non, 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 non. We say no, 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 c'est no, no. Contraire. It's contrary à ce que le Père avait dit. To what the Father said. Parce que dans le message, because in the message, nous avons nos coutumes. We've got our customs. Chaque tribu a les coutumes. Each tribe has its customs. Chez les Baluba, il y a les Chibaou, il y a les ceci, les Chibindi. In the Zulu, there's this and that. Et les ancêtres au village. And ancestors in the village. C'est pour garder ça. Is to keep the tradition. Et le message, c'est aussi une coutume. And the message is also a tradition. Et notre village, our village, c'est le septième jour, is the seventh seal. Et l'ancêtre, the elder, c'est Branham. Our ancestor is Branham. Nous avons nos coutumes. We've got a tradition. Nos filles ne s'habillent pas comme les mondains. Our daughters don't dress like worldly girls. Honte à vous les sœurs d'Amen. Shame on you, sister in Amen. Qui ont laissé la coutume du Père. You left the tradition of the Father. Au profit de Jobu. Because of Jolespe. Nous avons nos coutumes. We've got a tradition. Nos sœurs s'habillent décemment. Our sister dress properly. Naturellement. Natural. Toi qui as des mèches rouges, you, jaunes, c'est ci, c'est là. You've got the human hair. Red, yellow, this and that. Tu n'es pas une récabite. You are not a récabite. Nous, nous sommes les récabites. We are récabites. Nous respectons ce que le Père nous avait dit. We respect what the Father told us. Il nous a dit de respecter ses enfants. He told us to respect his children. Peu importe les conflits. No matter the conflict. Tu veux nous dire de te soutenir? You can tell us to support you. Et laisser Joseph. To leave Joseph. Moi, je suis un récabite. Me, I am a récabite. Frère Branham m'a dit. Branham told me. Je préférerais que vous parliez mal de moi. I would prefer you to speak bad on mais me. Mais ne dites rien. But speak nothing. Sur mes enfants. All my children. Il a dit. He said. Si vous m'aimez. If you love me. Aimez mes enfants. Love my children. Est-ce qu'il y a des récabites? Are there récabites? Aimez-vous Billy Paul? Do you love Billy Paul? Aimez-vous Rebecca? Do you love Rebecca? Aimez-vous Sarah? Do you love Sarah? Aimez-vous Joseph? Do you love Joseph? Aimez-vous la famille Branham? Do you love family Branham family? Nous sommes les récabites. We are récabites. Le Père nous a dit. The Father told us. Quand j'irai, when I'll be gone, mon successeur, my successor, c'est pas Zakola. It's not Zakola. Joseph. Joseph prendra ma place. Joseph will take my place. Vous êtes des récabites? Are you récabites? Un ancien qui s'élève au Congo là-bas. Et elder rising up in Congo there. C'est quoi on a vu le mercredi que s'il est fou. That's why we say Wednesday he was mad. C'est pas moi qui l'appelle, c'est Branham. It's Branham calling him. Un fou. A mad person. Il déraisonne. He doesn't reason properly. Il fait des choses pas normales. He does things contrary. Alors il faut qu'on l'amène au pays pour le soigner. That's why we need to bring him to the land to treat him. Moi je suis successeur de Branham. I am a successor of Branham. Assois-toi là, toi. Sit there. À cause de quoi? Because of what? Une église construite. Because you build a church. Frère Branham ne construit pas les églises de bâtiments. But Abraham doesn't build church of buildings. Est-ce que vous êtes avec moi? Do you with me? Lui construit l'église pyramidale. He's building a pyramid church. Il a construit une église. He built a church. Il n'est pas fait par les architectes du monde. Which was not made by human architects. Dont l'architecte c'est Dieu. The architect is God himself. Cette ville-là s'appelle l'épouse. That city is called the bride. J'ai vu l'épouse descendre. I saw the bride coming down. Comme une ville. As a city. Est-ce que vous le croyez? Do you believe? Restez comme des récabites. Remain as récabite. Moi, je suis un récabite. I am a récabite. Et tous les peuples de Zabulon. Let all the people of Zabulon. Je salue ce soir. I greet tonight. Ceux qui sont en Mbujimayi. Those are in Mbujimayi. Tous les récabites en Mbujimayi. All récabites in Mbujimayi. Je vous salue. I salute you. Parce que vous connaissez comment le langage de notre coutume.
You know the language of our traditions. Salut le recabit in back there in Congo. Ceux qui sont à Londres. Those are in London. Et je salue ceux qui sont au Gabon. I salute those in Gabon. Et tous ceux qui sont éparpillés dans le monde. I salute those recabit all over the world. Sommes les recabit. We are recabit. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Vous voyez? You see. La piété. Godliness des recabites. Of recabites. Ils ne prennent pas le vin. They don't drink wine. Il y a des frères ici qui boivent. Their brothers here are still drinking. Le terme vin. The term wine. En Israël. In Israel. Le terme aziz. The term aziz. En hébreu. In Hebrew. Veut dire jus de raisin. It means bunch of wine. Non fermenté. Without fermentation. Là, nous pouvons prendre ça. Then we can take it. Mais il y a les tiroches. They are what we call kiroch. En hébreu. In Hebrew. Ou en grec, glekous. Or in Greek, glekous. C'est le vin. Is a wine. Fermenté au premier niveau. Which got fermentation. C'est ce que la Bible appelle dans le Nouveau Testament le vin doux. That's why the Bible called in the New Testament the sweet wine. Mais il y a le shekar. But there's also shekar. C'est aussi le vin. It's also a wine. Fort. Strong. Qui est fermenté. Strong fermentation. Qui donne l'ivresse. That when you take it, you become drunk. Là, nous, les recabites, on ne boit pas ça. That as recabites, we don't drink it. Vous êtes confus. You are confused. Quand Paul a dit à Timothée. When Paul said to Timothy. Dans 1 Timothée 5, 23. In 1 Timothée 5, 33. Il dit un peu de vin pour la santé. Bit of wine from your wealth, le from your terme stomach. Vin là. That term of wine over ce there. Ce n'est pas shekar. Is not shekar. Mais un peu de aziz. But bit of aziz. C'est-à-dire que Paul disait à Timothée. It means Paul was saying to Timothy. De prendre le jus de raisin. To take the juice of wine of vin. Détail de young people. You'll have the detail of young people. Parce qu'en ce temps-là. Those days, selon la médecine en Israël, according to the medicine in Israel, le jus de raisin, the juice of grapes, était aussi comme un médicament, was also like a medicine, pour soulager les troubles de constipation ventrale, to heal the stomach trouble. Vous voyez? You see? Mais quand vous, when you, les faux pasteurs qui ne connaissent pas la parole, false pastors don't know the word, ils ont dit un peu de vin. There's a bit of wine. Mais nous, on va dans le mot origine. By us, we go to the original term of that. Dites amen. Say amen. C'est pourquoi Dieu a dit à Branham. That's what God said to Branham. Croyez-vous qu'un prophète, c'est un modèle? Do you believe a prophet is an example one? Ne fume pas. Don't smoke. Ne bois pas. Don't drink. Ne suis pas ton corps. Don't defile your body. Nous, on a bu. As we drank. On s'est essuyé. We defile ourselves. On a fumé. We smoke. Parce que nous n'étions pas encore appelés. Because we are not yet called. Mais quand on est appelé. But when we are called. La même voix. The same voice. Ne vient plus à l'oreille. Doesn't come in the ears. Mais nous parle dans nos cœurs. But he speaks to us in our hearts. C'est quoi dans le message. In a message. Nous ne buvons pas du vin ivresse. We don't drink wine. Si tu prenais de la bière, if you used to drink beer, ta place est à l'hôtel. Come to the altar. On ne prend pas le shekar. We don't drink shekar. Dites amen. Say amen. Oui. On ne fume pas. We don't smoke. Tu es un frère. You are a brother smoking. On ne fume pas. We don't smoke. Oh, il fait froid. Oh, it's cold. It's cold. Non. Nous quand il fait froid, as when it's cold, nous venons autour du feu. We come around the fire. Le feu c'est le message de l'heure. The fire is the message of the hour. Qui peut dire amen? Who can say amen? Voilà. Vous voyez? You see. Israël est l'olivier franc. Israël, the olive tree. Ils ont manqué. They lack la piété. Godliness. Jean 15:1. John, si vous voulez savoir Israël, c'est l'olivier franc, l'olivier naturel. If you want to say Israel is the natural olive tree,
John 15. Romains 9:4. Cette nation-là, vous voyez, et nous les nations, and as nations, c'est l'olivier sauvage. We are the wild olive tree. Quand vous lisez l'olivier naturel, when you read about natural olives, c'est Israël. It's about Israel. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, allez rapide. Quand vous lisez l'olivier sauvage, when you read about wild olive tree, c'est nous. It's about nous, us. Nous étions, tu vois, you see, dans la forêt des dénominations du paganisme. We were in the forest of denomination and hidden. C'est pourquoi écoutez ici. That's why listen. Regardez. Look. Ouvrons nos Bibles. Let us open our Bible. Cessez leur transgression. Stop, finish their transgression. Romain, c'est pourquoi Paul. That's why Paul. Dans Romains. In the book of Romans. Paul s'adresse à nous les nations, l'olivier sauvage. Paul speaks to us, olive, wild olives. Il dit, he said, prenons le verset 20. Chapter. Romains 11. Romans chapter 11. Romains 11. Romans chapter 11. Livre de Romains. The book of Romans. Tu vois, les Romains, c'était les gens des nations, c'est la vérité. Romans was nation people, is it true? L'olivier sauvage. The wild olive tree. Il commence à devenir un peu orgueilleux. They start to become proud. Paul dit, tu diras donc, le verset 19. Verse 10. Les branches ont été retranchées. The branches have been taken away. Interprétez. Afin que moi je fisse hanté. So that I should be grieved. Cela est vrai. That is true. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. They were being taken away because of unbelief. Toi tu subsistes par la foi. You are living by faith. Ne t'abandonne pas à l'orgueil mais crains. Don't be in pride but be fearing. L'orgueil, je suis catholique. I'm proud, I'm Catholic. Je suis presbytérien. I'm Presbyterian. Je suis ceci. I'm this one. Non, mais crains Dieu. But fear God. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles. But if God never spared the natural branches. C'est-à-dire Israël. It means Israel. Il ne t'épargnera pas non plus. He won't spare you. Tu vois ici. You see. Paul était en train de leur enseigner. Paul was teaching them. Que quand ils ont transgressé la loi. When they were in transgression of the law. Dieu s'est tourné vers l'olivier sauvage. Then God turned himself toward the wild olives. Nous les nations. As nations. Ne vous enorgueillez pas. Don't be puffed up. Si don't Dieu be proud. A coupé l'olivier naturel. If God cuts the natural tree. Il n'aura pas pitié de vous. He won't be pity of you. C'est là où Paul leur révèle. Then Paul revealed unto them. Vous lirez tout Romains 11 à la maison. You can read the entire Romans 11 que une partie d'Israël. That a part of Israel. Est maintenant dans l'aveuglement. They are blind. Afin que toutes les nations entrent. So that the entire nation should enter in. Et toutes les nations entrent dans les sept âges. And all those nations should enter in the seven churches. Quand toutes les nations seront finies d'entrer. When all nations will enter during the seven churches. Dieu reviendra vers Israël. Then God will return to Israel. Qui peut dire un grand amen? Who can say a big amen? Conséquence, la dispensation des Juifs. Now, consequently, Jew dispensation durera 2555 ans. Will last 2552 years. Ou 2554 ans. Or 2554 years. Vous voyez? You see? Depuis l'Empire babylonien, les quatre parties de la statue que nous avons étudiée. Since the Babylonian Empire, the four parts of the statue we studied. L'Empire Medo-Perse. The Medo-Perse Empire. Cyrus signe le décret, il rentre. Jews signed the decree and returned. Il reconstruit le temple. Rebuild the temple. Alexandre le Grand vient avec l'Empire grec. Alexander the Great came with the Greek Empire. Antiochus Epiphanes le détruit encore. Antiochus Epiphanes destroyed it. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit? Remember what we studied. Après il revient encore. Then he returned again. Il reconstruit le temple comme c'était là. They rebuild the temple again. Jésus vient. Jesus comes. Alors ils ont transgressé la loi. They have transgressed the law. Ils ont été incrédules envers Jésus. They were unbelieved toward Jesus. Titus est venu dans l'Empire romain. The Tatars came under the Empire, Roman le Empire. Le quatrième royaume qu'on a étudié.
the third kingdom that we have studied. Il les a détruits, sont dispersés. He destroyed them. They were scattered all over the world. Toute la durée là, si vous faites les calculs. Now, all that space of time, if you work it out, ça sera 2555 ou 2554. It will be 2555 or 2554. Jusqu'au 14 mai 1948. Until the 14 May 48. N'oubliez pas, je vous ai enseigné dans le premier tableau. Don't forget, I've told you in the first picture. La dispersion des the scattering of the Jews. Si on solutionne tout ensemble. If you we bring it all together. Est-ce que vous me suivez? Are you with me? Dans la durée de la vision de la statue. In the spare time of the vision of the statue. La première fois c'est en 606. The first time it was in 606. Avant Jésus-Christ. Before Jesus Christ. Jusqu'au 14 mai 1948 de notre temps. Until the 14 May 1948 quand, of our time. Quand David Ben-Gurion a proclamé officiellement la naissance de la nation d'Israël, c'est-à-dire la naissance du figuier. When figuier bourgeon. David Ben-Gurion declared officially the birth of the Israel nation. Si vous prenez ça, if you take that, 255 ans ou 254 ans, 2554 or 2555. Comme le nombre 7, c'est l'achèvement. Is number 7 is completion. Branham dit 7, c'est le nombre achèvement. Branham says 7 is completion. Si vous croyez, dites amen. If you will say amen. Pour que l'ère déportation totalisée puisse finir pour du bon. For the deportation, you summarize all those deportations to get to finish totally. Quand vous faites 255 ou 254 divisé par 7. If you take 2055 or 2055 divided by 7. Pourquoi 7? Why 7? C'est le chiffre d'achèvement fini. Is a complete number. It's finished. Si vous êtes là, dites amen. Are you there? Say or amen. Une année, now, a year, c'est 12 signes du zodiac. Is 12 signs of zodiac. 12 mois de l'année. 12 months of the year. Les 12 mois de l'année ou 12 signes du zodiac ou 12 heures de l'horloge. 12 months of the year. 12 signs of zodiac. 12 hours of the watch. Ça vient des 12 tribus d'Israël. It comes from 12 tribes of Israel. Cela montre comment les 12 tribus vont souffrir. It shows how those 12 tribes will suffer. Même si vous prenez ça aussi. Even though you can take it. Depuis 606. From 606. La première déportation. The first deportation. Vous solutionnez tout. You adding up all those deportations. La dispersion depuis le royaume de Babylone jusqu'au royaume romain par Titus. From the Babylon Empire until Titus Empire. Jusqu'au 1946. Until 1946. L'année où l'ange a rencontré William Branham. The year where the angel met William Branham. Et le drapeau s'est levé là-bas en Israël. And the flag rose in Israel. Vous aurez 2552. It will fall in 2452. Quand vous divisez ça toujours par 7 qui est l'achèvement. When you divide 2052 to 7 which is completion. Ça donnera toujours 364 jours. It will fall in 3364 days. C'est toujours une année. Just a space of a year. C'est toujours. Or, une année, c'est 12 signes du zodiac. A year is 12 signs of zodiac. 12 tribus d'Israël. 12 tribes of Israel. La durée que les 12 tribus vont souffrir. The last period of time, the 12 tribes will suffer. Avant que leur déportation s'achève pour du bon. Before their deportation stop forever. C'est quoi depuis 46 ou 48 encore? Now, since 46 or 48 again. Quand ils sont retournés là. When they return. Jésus a prédit ça. Jesus predicted it. Le retour d'avant. The previous return. Après 70 ans de captivité. After 70 years of captivity. C'est Jérémie qui avait prédit ça. It was Jeremiah who predicted it. Vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Mais celui ici avec les Romains. But this one here with Romans. C'est Jésus qui avait prédit ça. It's Jesus who predicted it. Il a aussi prédit leur retour. He also predicted their return. Mais dans un terme prophétique. But in prophetic term. Quand vous verrez le figuier bourgeon. When you shall see. The fig tree blossom. Parce que cette fois-ci, quand ils vont retourner, because this time, when they shall return, Israël ne sortira plus. Israel will no longer go away. Parce que ici, Dieu va les amener jusqu'au millénium. Because here now, God will bring them up to the millennium. Si vous avez compris, dites un grand amen. If you understand, say amen. C'est pour cela.
That's why. Il a dit encore dans Osée. He also said in Hosea. Le mystère de Osée chapitre 6. The mystery of Hosea chapter 6. Osée dit retournons à l'Éternel. Hosea said, let us return to the Lord. Il nous a frappé. He has smitten us. Mais il nous donnera la vie. But he shall give us back life. Dans deux jours. In 2 days, praise God. Le frère Branham vient. Then Balaam come. Il prêche le message. He preached the message. Reconnaître les jours et son message. Recognizing your day and his message. Il dit deux jours là ne veut pas dire deux jours de 24 heures. He said those 2 days, it doesn't mean 2 days of 24 hours. Mais c'est 2000 ans. But it means 2000 years. C'est quoi, ramenez-moi le tableau de 70 semaines. Please bring back the picture of 70. Vous verrez que you'll find that. C'est un enseignement, il faut que vous compreniez ça profondément. It's a teaching. I would like you to understand it. Quand ils ont rejeté le Messie ici, when they rejected the Messiah here, à l'an 33, on va voir ça en profondeur. In the year 33, ils sont partis en captivité partout. They went to captivity all over. Dans le monde entier. In the entire world. Cette fois-ci, pas seulement à Babylon. This time, not only in Babylon. Cela a duré 2 jours. It lasts 2 days. 2000 ans. Mean 2000. Dans les 2000 ans là, in this 2000, est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Dieu traite avec les nations. God is dealing with nations, praise Il God. Il traite avec l'olivier sauvage. He's dealing with the wild olive tree. Nous on a été seulement greffés. As we were grave in. S'il y a un agronome ici, connaît le mystère comment on greffe, il y a un intellectuel ici. If somebody is a farmer, knows that Dieu a greffé cette âge de l'église. God grave in 7 church ages. Là où Dieu nous sauve. Where God saving us maintenant, now, alors quand les 2 jours finis, when those 2 days ended, c'est quoi nous voyons en 46, that's what we see in 46, Israël retourne, Israel return, parce que Dieu va leur donner maintenant la vie, because God will give them now life, la vie éternelle, eternal life. Tu nous as frappé, you have smitten us. When I'm disabled, tu nous as dispersé, it means you have scattered us. Tu nous as aveuglé, you have blinded us. Tu nous as déchiré, you have destroyed us. Mais tu nous rendras la vie dans 2 jours. But you will bring us back life in 2 days. La vie éternelle, eternal life. Les 2 jours là sont les 2000 ans. Those 2 days mean 2000 years. Cela accomplit Luc 21-24. Which fulfill Luke 21-24. Jésus a dit, Jesus said, Jérusalem sera foulée aux pieds des nations. Israel will be thrown down by nations. Les Romains, les Romains, ceci, les Turcs, les Turcs, jusqu'aux Anglais. Until the English people. Jusqu'à ce que, until le temps des nations. The time of nation. Qu'est-ce que le temps des nations? What is the time of nation? C'est 2000 ans d'Israël dispersé. 2000 years of Israel scattered. Et 2000 ans où le Saint-Esprit travaille avec nous. The same time, 2000 years, the Holy Ghost working with us. 2000 ans partagés pendant 7 parties. 2000 divided in 7 parts. Les 7 ans de l'église. 7 church ages. Avec les 7 messagers. With 7 messengers. Vous voyez? You see. Jérémie l'avait dit aussi dans Jérémie 25. Jeremiah spoke it in Jeremiah 25. Parce qu'une prophétie peut avoir multiple applications. Because one prophecy can have multiple applications. Alors après 2000 ans, then after 2000 years, Dieu va leur donner la vie. God will give them back life. Par les derniers 3 ans et demi. By those 3, the last 3 years and a half. Élie et Moïse leur communiquera la vie éternelle. Elijah and Moses will give unto them eternal life. Dieu les avait coupés ici. God cut them off there. L'olivier naturel a été coupé en 33. The natural olive tree was cut off in 1933. Dieu a greffé l'olivier sauvage. God greffed in the wild olive tree. Pendant 2000 ans. For 2000 years. Mais après l'enlèvement. Now, after the rapture. Dieu va couper maintenant l'olivier sauvage. God will cut off the wild olive tree. Et il va revenir vers l'olivier naturel. And he will return to the natural olive. Olive. Pendant 3 ans et demi. For 3 years and a half. Mais au millennium. But in a millennium. Il va nous rassembler nous tous. He will gather all of us together. Si vous avez compris, dites amen. If you understand, say amen. C'est ça le mystère. That is the mystery. Or, le premier but. Now, the first purpose. Dieu a dit. God said. Je ferai cesser leur transgression. I will stop their transgression. Qu'est-ce que signifie cesser les transgressions? What is the meaning of to finish the Ils transgression? Ils avaient manqué la piété. They lack
Godliness. Attachement, la piété veut dire attachement sincère. Godliness is to be stuck faithfully. Total. To depend faithfully. Et un dévouement et un respect pour Dieu. To be devoted, to respect God. Vous voyez même dans la statue d'un homme parfait, la piété, c'est une vertu, sixième vertu. That's why in a statue of perfect man, godliness is a sixth virtue. D'où why? La nécessité de la réelle conversion. For the purpose of a true conversion. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. So God is almighty to grave them again. Selon Romains 11, 23, 29. According to Romans 11, 29. Parce que l'aveuglement d'Israël, c'est 2000 ans, 20 siècles. C'est à l'église. The blindness of Israel is 2000 years. Tout Israël sera sauvé. All Israel will be saved. Selon Romains 11 et 6. According to Romans 11, 6. C'est pourquoi Jérémie a prédit dans les mystères de Jérémie 31, 6. That's why Jeremiah predicted in the mystery of Jeremiah 31, 6. Il dit, j'ai vu les gardes. I saw the space. Pour ramener Israël. To bring back Israel. Les gardes là sont les deux oliviers. Those guards are two olives. Ce qu'on appelle deux témoins. Which we call two witnesses. Ce qu'on appelle Élie et Moïse. We call them Elijah and Moses. Dans la promesse d'Apocalypse 11. In the promise of Revelation 11. Cela arrive dans les derniers trois ans et demi. It happened in these last three years and a half. Si vous le comprenez, dites amen. If you understand, amen. C'est pourquoi Jérémie 32, 37 à 39. That way, Jeremiah 32, 37 c'est là à double application. It's called two applications. La première, ils sont venus. The first time they came. Au temps de la déportation à Babylone. In a time of deportation, mais cela s'applique aussi de leur retour de 46. It also been applied on the return in 1946. J'ai dit, je vais les ressembler partout. God said, I will gather them from all over. Là où je les ai dispersés. Where I've sent them from. Ils reviendront et je leur donnerai un même cœur. They will return all them and I will give them même same afin qu'ils me craignent. Pour toujours. So that they should fear me forever. Et cela accomplira, faire cesser les transgressions. And that will fulfill, finish the transgression. Ça va accomplir Psaume 32:1. It will fulfill Psalm 32:1. La Bible dit, heureux celui à qui la transgression est remise. The Bible says, blessed whom the transgression is forgiven. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Blessed be the person God doesn't impute sin. Conclusion, cela veut dire en définitive. In conclusion, finally. En définitive, transgresser. To transgress. C'est passer au-delà. Is to go above, beyond. Effendre la loi, ne pas tenir la loi, ne pas compter la loi, violer la loi, désobéir à la loi. To transgress, not to be obedient to the law. C'est pourquoi la Bible dit, Frère Branham a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. That's why Branham said, the Bible says, obedience better than sacrifice. Faire des sacrifices pour Dieu, c'est bien. To do sacrifice for God is good. Mais l'obéissance à Dieu, but to be obedient to God, c'est plus que faire le sacrifice. Is greater than to do sacrifice je to God. Je vais entendre un grand amen. I want you a big amen. C'est un grand mystère. Is a great mystery. Tu vois, Frère Branham dit dans les signes pour vous. That's why Branham said the spoken word, the token. L'obéissance totale à toute la parole, full obedient to the entire word. Te donne le droit au signe. Entitle you to the token. Or le signe, c'est la vie éternelle. Now, the token is eternal life. Vous voyez? You see? Mais ils ont désobéi à leur Dieu. But they were disobedient to their God. Remarquez, quand je parle de la piété là. Notice, when I speak about godliness. Beaucoup pensent une vie seulement sanctifiée. Many things just is about the sanctified life. Non. Non. Ils étaient sanctifiés. They were sanctified. Les pharisiens vivaient une vie pire plus que tous les apôtres, même plus que Jésus lui-même. The Pharisees, they were living a good, holy life more than the apostles, even more than Jesus. Qui peut dire amen? Who can say amen? Ils ne mangeaient même pas avec un publicain. They never even eat with a publican. Jésus mangeait avec le publicain. Jesus was eating with publicans. Ils ne peuvent pas saluer une prostituée. They couldn't greet a prostitute. Jésus saluait les prostituées. Jesus was greeting prostitutes. Très saint. So holy. Leurs prédicateurs se sont mariés avec des vierges. They preachers got married with virgins. Et ce n'est pas seulement les vierges. Not only virgins. Les sacrificateurs, sa première femme, c'est la femme qu'il a mariée. Ils étaient mariés même chaste. The preacher, his first wife is the wife that he married. They never knew wife before. Mais remarquez que malgré ça, but notice, beside that,
Ils transgressaient la loi. They were transgressing the law. Vous êtes là? Are you there? Est-ce que vous êtes là? Are you there? Quelle est loi? Which law? Ils vivaient la loi de Moïse. They were living the law of Moses. Comme une tradition. Like a tradition. Mais ce que la loi avait promis. But what the law promised. Moïse leur a promis. Moses promised them. Que votre Dieu. That your God. Deutéronome. Deutéronomy. Vous susciterez un prophète. Will raise unto you a prophet. Comme moi. Like unto me. Celui qui ne le croira pas sera exterminé. Whosoever won't listen to him will be killed. Quand la parole s'est accomplie. Now, when that word was fulfilled. Ils ont refusé de croire. They refused to believe. Alors ils ont transgressé la parole. Then they transgressed the word. Leur piété ne faisait plus rien. Their godliness was useless. C'est-à-dire, en d'autres termes, leur transgression. In other words, their transgression. C'était de refuser de croire. It was to refuse to believe. Et de suivre. And to follow. Le Messie. The Messiah. Alléluia. Je vais entendre là un grand amen. I want you a big amen. Leur transgression. Their transgression. C'était de refuser de croire. It was to refuse to believe. Et de suivre. And to follow. Le Messie. The Messiah. Par contre. Actually. La vraie piété. The true godliness. C'est l'attachement sincère et total, un dévouement, le respect pour son Dieu. Is to stand faithfully, the respect for your God. Ainsi pour faire cesser la transgression. Now, to finish the transgression. Dans les 3 ans et demi derniers. In these last 3 years. Il faut qu'ils cessent l'impiété du peuple de Jacob. They need to stop the godliness of the people of Jacob. Qui peut dire amen? Okay, say amen. D'où la nécessité de la réelle conversion. That's why it requires a true conversion. De tout Israël et des filles de Jacob. From all Israel, since Jacob. Par le retour de la parole. By the return of the word. De l'évangile de Jésus. Of the gospel of Jesus. Et le Saint-Esprit. And the Holy Ghost. Va descendre là-bas. We descend. Et ils vont recevoir le Messie. And they will receive the Messiah. Parce que Dieu est capable et fort pour les greffer encore. Because God is much and able to grave them again. Quelle est leur transgression? Notez cela pendant qu'on termine le premier but. What was their transgression when we are finishing the first purpose? Qu'est-ce qu'ils avaient transgressé? Je veux que vous compreniez. I want you to understand. What do they transgress? Ils vivaient la loi de Moïse. They were living the law of Moses. Mais ce que la loi avait promis. But what the law promised to them. C'est la loi mère. It was the mother law. Quand le Messie est venu. Then when the Messiah came. Ils ont refusé de le croire. They refused to believe in him. Et de le suivre. And to follow him. Et que je peux dire quelque chose. Can I say something? Je peux dire quelque chose. Can I say something? Frère Branham me dit. Brother Branham said. Ils priaient que le Messie vienne. They were asking the Messiah to come. They were praying. Ils aimaient le Messie. They loved the Messiah. Mais quand le Messie est venu. But when the Messiah came. Comme un homme. Just as a man. Un bébé qui est né. A baby was born. Qui grandit. Growing up. Le fils d'un charpentier. The son of a carpenter. Et celui qui le présente, c'est son cousin. And the one who introduced him was his cousin. Voulez-vous écouter l'histoire? Do you want to hear the story? Branham dit, Jésus, on l'invita à l'église. Jesus said, Branham said, Jesus was invited to church. Quand il grandissait, c'était un garçon comme tous les garçons. When he was growing up, he was a child like any other child. Il aidait son père Joseph charpentier. He was helping his father. Et vous connaissez misala maboko banyongo, tout ça. You know, to be a carpenter, you've got debt here and there. Et son cousin Abunga, c'est comme un chegui. His cousin, his lost cousin, is like a toti. Branham a dit. And Branham said. Quand Joseph est mort. When Joseph died. Jésus est resté comme orphelin. Jesus remained as an orphan. Il n'avait pas un papa pour prendre soin de lui. He didn't have a father to take care of him. Alors Marie n'avait pas aussi d'argent. Then Mary never had money. Alors il était ami de Lazare. Then he was a friend to Lazarus. It means you are their buddies. He was Lazare était dans une famille bien avec ses deux sœurs. Lazarus was a good family with his two sisters. Leurs parents étaient morts, ils les avaient laissé un grand entreprise de fabrication du pain. Their parents died and left them a bakery. Alors Jésus aimait beaucoup manger. And Jesus loved to eat. On l'a récupéré là. Then he was
Parce que la faiblesse de Dieu dans la chair humaine, c'est manger. Because the weakness of God in human flesh to eat. Souvenez-vous devant Abraham quand il a mangé, remember, il était content. In front of Abraham when he ate. Souvenez-vous quand Jésus n'a pas mangé, il a maudit le figuier. Remember when Jesus never ate, he cursed the tree. Est-ce que les aigles sont avec moi? Eagle, are you with me? Alors on l'a récupéré de la maison de César. Now he was called to. Il dormait dans la même chambre que Lazare. He was sleeping with Lazarus in the same master, bedroom. Master. There were, he was buddies to Lazarus. Et les sœurs de Lazare préparaient pour lui. And the sisters of Lazarus were cooking for him. Marie et Marthe. Mary and Martha. Un jour, then one day, Branham dit Marie était partie pour voir leur entreprise. Branham said Mary went to check the bakery. Quand il revient, il arrive au Jourdain. When they come in Jordan. Ils trouvent Jean-Baptiste qui est Oyabungaki. They find le chef de Sion s'appelait aujourd'hui. This guy was lost. Il est en train de prêcher là-bas aujourd'hui. He was busy preaching. Le royaume est là. Oh, the kingdom is here. Et il baptisait les gens. And he was baptizing people. Lui là était convaincu de la prédication. Oh, he was convinced about the preaching. Et il est venu dire à son frère Lazare. Then he came to speak to his brother Lazarus. Ce jour-là, Jésus était absent. That day, Jesus was absent. Lazare est parti. Then Lazarus went. L'église là s'appelait Tabernacle Jourdain. And that church was called Jordan Tabernacle. Et le pasteur était Jean-Baptiste. And the pastor was John the Baptist. Un pasteur qui prêchait durement. A pastor preaching with might. Et Frère Branham dit que ça faisait 21 ans, il n'a jamais brossé les dents. And Branham said he stayed for 21 years without brushing his teeth. Quelle odeur quand il prêchait. What bad smelling when he was preaching. Quand Lazare a écouté la parole, now, when Lazarus heard the preaching, lui ne regardait pas à l'homme. Him, he never looked to the flesh of man. Cette profondeur ici. He said, this deepness. Il a levé la main. He lifted up his hand. On l'a baptisé. They baptized him. Il revient à la maison. He went home. Il dit, mon ami. He said, my friend. Il y a une église là-bas. Oh, there's a church over there. J'ai maintenant un pasteur. I've got a pastor. Il a invité Jésus. Then Lazarus invited Jesus. Et Jésus aussi est venu. Jesus came in the church. Pendant qu'il écoutait, when he was listening, lui aussi a pris la décision. He also took a decision. Quand il vient faire baptiser, when he came to be baptized, Jean-Baptiste, Dieu lui avait dit dans le désert. John the Baptist, God spoke to him in the wilderness. C'est lui à qui tu verras la colonne de feu. Upon whom you shall see the pillar of fire. Descendre sur lui comme une colombe. Coming upon him as a dove. C'est lui le Messie. He is the Messiah. Et quand il a voulu le baptiser, when he wanted to baptize him, le ciel était ouvert. Heaven got open. La colonne de feu descendit. The pillar of fire came down. Jean-Baptiste dit, voici le Messie. John the Baptist said, behold the Messiah. Quand Jésus sort, when Jesus went out from the water, directement Lazare l'adore. Then Lazarus started to worship him. Tu n'es plus mon ami, tu es mon Dieu. You are no longer my friend, you are my God. Et les sœurs de Lazare. And the sister of Lazarus. L'adore. Start to worship him. Tu vivais avec nous tout le temps. But you used to live with us all the time. Or le Messie, c'est mon ami. Now, what? The Messiah is my body. Dites amen. Say amen. Alors les Pentecôtistes, c'est qu'ils disent là au Messie. Oh, the Pentecôtistes are shouting Messiah, Messiah. Quand ça revient ici. When it returns here. C'est difficile à croire. It's difficult to believe. Alors c'est ça. That is it. Qui a scandalisé les pharisiens? Stumble Pharisees. Le Messie. The Messiah. Le fils de Joseph. The son of Joseph. Le Galiléen là. From Galilee. Mais c'est le charpentier, non? He's a carpenter, isn't it? Mais j'étais parti même arranger mes chaises. No, he went to fix my chair. Le charpentier là, son fils est devenu Messie. What? That carpenter, his son is a Messiah. Vous jouez avec la parole. Oh, you're playing with the word. Le Messie quand il viendra. The Messiah when he will come. Le ciel sera ouvert. Heaven will be open. Mon frère. Ah, my brother. Mais les valets ici devant le temple. The valet here in front of the temple. Mais ça y est là. It won't be there anymore. Il entrera dans le temple. He will come in this temple. Le temple est vide. The temple is still empty. Ils ont dit c'est pas lui. They said no, it's not him. Et Jésus fait encore un autre scandale. And Jesus stumbled them again. Jusqu'après le baptême. Just after the baptism. Il part au temple. He went to the temple. Il prend le fouet. He take the whip. Il tape les mamans de papa d'autres. He hit people on the temple. Vous voyez, ça c'est la preuve. And you see, this is the proof. Est-ce que le Messie peut être brutal? Is a Messiah can be rude like that? Sans amour. Without love. Mes frères, l'amour. My brother, love. Le Messie devait être amour. Non, mais le message should be love, my brother. Il y avait beaucoup de points. There was many things. Selon les humains.
in the human mind de ne pas croire que c'est lui. Not to believe it was him. Mais Frère Branham me dit, but Branham say, si pouvait checker les promesses, if they could search promises, sonder les écritures, search scriptures, il devait naître d'une vierge, he had to be born from a virgin, et à Bethlehem, in Bethlehem, et toutes ces choses, all those things, il devait croire que c'est lui. They could have believed that it's him. Son ministère prouvé. His ministry proved it. Les boiteux marchaient, les sourds entendaient. The blind could see. The cripples were walking. Même Jean Baptiste a eu des problèmes. Even John Baptist was in trouble at a time. Quand on l'arrête, il a oublié. When they arrest him, he forgot. Il dit, allez un peu lui demander. So go and ask him. C'est lui. Is it him? Où devons-nous entendre? Okay, we still have to wait. Jésus ne s'est pas fâché. Jesus was not angry. Il dit, asseyez-vous. You just sit there. Il a prêché. He preached. Les boiteux ont marché. The cripples walk. Il dit, allez dire à Jean ce que vous voyez. Go and tell John what you have seen. Quand ils ont dit à Jean, when they reported to John, Jean a sondé les écritures. John searched scripture. Il a dit, c'est lui. It is him. Si les pentecôtistes, if Pentecostal, peut oublier que c'est un Américain, can forget that he's an American, peut oublier qu'il est mort par accident, he can forget that he died by accident. Vous savez, aujourd'hui, j'ai pas dormi. No, today I never die. I never sleep, sorry. J'étais à l'internet. I was on internet. Je suis tombé sur un pasteur congolais là qui est en train de déchiqueter Frère Branham. I fell on a Congolese pastor destroying Brother Branham. J'ai dit, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. I said to my Lord, oh, just give me money, give me je money. Je pars à Kin que je l'ai pas vu dire assois-toi. I'll go and fetch that man. Please sit here. Il dit, les signes que nous avons, c'est la magie. Oh, the sign that we've got here is magic, all those stuff. Je vais te faire asseoir. I'll could make him sit there. Lisons la parole. Let us read the word. One by one. One by one. Et lui montrer qu'il ne connaît rien. And to show him that he doesn't know anything. Tu sais, j'ai compris aujourd'hui que moi je suis un fils de Dieu vrai. No, I understood today. I'm a true son of God. J'ai eu la colère. I was so angry. Mais qui es-tu, grande montagne? But who are you, great mountain? Devant Zorobabel. In front of Zorobabel. Ils ont la confusion. They are confused. Parce qu'ils ne sondent pas le message. Because they don't search the message. Et ce qui les scandalisait, and what stumbled them, pour transgresser la loi, to transgress the law, c'est de croire que le Messie est devenu un homme. Is to believe that the Messiah became a man. Ils croyaient au Messie. They believed the Messiah, mais pas devenir l'homme. But not him to become a man. Et ils ne voulaient pas croire aux prédications du Messie. And they didn't want to believe the preaching of the Messiah. Ils étaient aveuglés. That's why they were blind. Voilà leur transgression. That is their transgression. C'est why ils sont aveuglés. That's why they are blind. Si vous le croyez, dites amen. If you will say amen. Et le premier but. Now the first purpose. C'est leur transgression. To finish the transgression. Alors qu'est-ce qui se fera dans les 3 ans et demi? What will happen in these 3 years and a half? Frère Branham m'a dit, mais c'est le signe. But I'm saying this promise, sir, is it the sign? Le messager de l'âge, mes amis. The messenger of the HCA, my friend. Il est le deuxième mystère. The second mystery. Et le mystère de l'aveuglement d'Israël. Is the mystery of blindness of Israel. Pendant cet âge où nous vivons. During this age we are living in. Israël était aveuglé depuis ce temps-là. Israel was blinded from that time. Pour que Dieu appelle nous. So that God should call us. C'est pour cela. That's why. Dans les 3 ans et demi là, in these 3 years and a half, la première chose que Dieu va faire, the first thing God will do, il va cesser leur transgression, he will finish their transgression. Les Juifs croiront, the Jews will believe, que Jésus est le Messie, that Jesus is the Messiah. Et là Dieu accomplira psaume. Then God will fulfill the book of Psalms. Il va enlever leurs transgressions. He will remove their transgressions. C'est pourquoi la Première Guerre mondiale, that war, the First World War, s'est arrêtée en 1918. Stop in 1918. Le 11 à 11 minutes 11 secondes. The 11 November 11 minutes 11 seconds. Frère Branham dit c'est ça Apocalypse 7. Bible said that is Revelation 7. Dieu a arrêté ça. God stop it. Pour sceller les 144 000, to seal the 144,000, l'ouvrier de la 11e heure des Juifs, the 11-hour workers of the Jews, ils recevront le même salaire, they will receive the same wages, que les ouvriers de la première heure. Then
The workers of the first hour. Les Pierre, les Jean et les autres. John, Peter, James, others. Avaient reçu. Receive. Ils recevront le même Saint-Esprit. They receive the same Holy Ghost. Et ils le recevront à Jérusalem. They receive it in Jerusalem. Alors là, Dieu va enlever leur transgression. Then God will finish their transgression. Ils croiront que Jésus est Dieu. They will believe that Jesus is God. C'est lui le Messie. He is the Messiah. Frère Branham a dit dans le, vous pouvez lire ça dans le 6 bits, paragraphe 41 à 51. You can read it in the 6 chapters of Daniel. 70 semaines de Daniel, paragraphe 171. 70 weeks of Daniel, paragraphe 171. Fête des trompettes, paragraphe 259, 290, 291. Feast of the trumpet, paragraphe 52. Et là, then, celui qui fera la transition. The one who will do the transition. De les enlever dans le judaïsme. Take them out from Judaism. Pour les amener au christianisme. To bring them into Christianity. C'est-à-dire croire que Jésus est Dieu. It means to believe that Jesus is God. Qui peut dire amen? Who can say amen? Et recevoir le Saint-Esprit. And to receive the Holy Ghost. La transition des Juifs. The transition from the Jew. Du judaïsme. From Judaism. Au christianisme. To Christianity. Par les 144 000. By those 144,000, the one who will do it, ce n'est pas Branham, is not Branham, c'est pas un prédicateur, is not a preacher, ce sont les deux témoins, is those two witnesses, Élie et Moïse, Elijah and Moses. Et quand ils croiront, when they will believe, que Jésus est Dieu, that Jesus is God, que le Messie c'est lui, and he is the Messiah. Alors Dieu va enlever leur transgression. Then God will remove their transgression. Alors là ils deviendront pieux. Then they'll be godly. Cela veut dire être pieux. Now to be godly, ce n'est pas seulement de vivre bien. It's not only to live good, mais de croire. But is to believe. Parce que quand tu ne crois pas, because when you don't believe, tu transgresses la parole. You are transgressing the word. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Les pentecôtistes, toutes les églises, that were Pentecostal with all churches. Ils sont en train de transgresser la loi. They are busy transgressing the law. Mais ils vivent bien. But they are living good. Mais vous savez pourquoi? You know why? La parole leur avait promis. The word promised unto them, praise et God, le prophète viendra. That Elijah the prophet shall come. Ils disent que le message est bien. They say the message is good. The message ce is good. Qui nous scandalise chez vous, but the thing that stumbles us to you, l'homme Branham, this man Branham, c'est la même chose. The same things today. Ce qui les scandalisait, what used to stumble them, c'était l'homme Jésus. It was the man Jesus. Tu vois, laissez-moi te dire ce matin. That one. Let me tell you this morning. Si toujours l'homme Branham te scandalise, if until this morning the man Branham is a stumble block to you, toi tu es un homme sale. It means you are a filthy person. Souillé, filthy, defile, transgresseur. You are a transgressor. Mais heureux à cola. Blessed be Zakola. L'homme à qui Dieu n'impute pas ses péchés. The man to whom God doesn't impute his sin. Praise God. Les chansons expiées. To whom his transgression has been atoned. Parce que Frère Branham n'est pas un achoppement pour because moi. Because Frère Branham is not a stumble block to me. Mais quand Jésus parle de béatitude, that one, Jesus, when he speaks about beatitude, dans Matthieu 5, in Matthew 5, heureux ceci, heureux ceci, blessed this, blessed this, blessed this, blessed this. Il a laissé ça. He left it. Il part dans Matthieu 11. He goes. In Matthew 11, il dit heureux, il s'est blessé. C'est lui pour qui? To whom? Je ne serai pas une occasion de chute. I won't be a stumble block. Et la béatitude oubliée. Oh. I'm stumble you. Mais heureux, blessed be. C'est lui pour qui? The one to whom? Frère Branham. Brother Branham. N'est pas une occasion de chute. Is not a stumble block. C'est ceux-là qui ne sont pas les transgresseurs. They are not transgressors. Aujourd'hui, vous êtes les gens les plus pieux de la terre. Today. You are the godly people of the earth. Oh, mes frères Zakola. Oh, brother Zakola. J'avais entendu qu'il y avait ceci, non? I heard that there was this. Dans ta vie. In your life. Tu ne connais pas la parole. You don't know the word. Je suis un homme pieux. I am a godly person. Praise God. Je n'ai pas transgressé la loi. I didn't transgress the law. Je ne suis pas un transgresseur. I'm not a transgressor. J'ai cru. I believe. Que Branham. That Branham
Qu'il soit américain. May he be an American. Qui meurt dans l'accident. May he die in accident. Qui ne passe pas parler bien. Oh, he couldn't speak properly. Mais moi, je crois que c'est lui le prophète. I believe he's a prophet. Et c'est lui l'unique. He is the only one. L'unique. The only one. Prophète. Prophet. L'unique message. The only message. Qui peut enlever les pouces. That can rapture the bride. Aller dans les églises. But you go to churches. Vivre bien. You live well. Mais à la fin, at the end, ils seront perdus. You are lost. Mais pourquoi ils sont perdus? Why are you lost? Ils ont transgressé. They transgress. La loi de Dieu. The law of Moses. Dans chaque âge. Il dit Dieu. Est-ce que vous êtes là? La loi de Dieu. The law of God. Que chaque chrétien. Each Christian va reconnaître, must recognize le messager, the messenger, le Christ, the Christ, pas Jésus, not Jesus, le the Christ, Christ, the Christ, le Oint, the anointed person. Moïse était Christ à son temps. Moses was Christ in his time. Branham est le Christ. Branham is the Christ. C'est la personne Oint. He's the anointed person. Est-ce que vous le croyez? Do you believe? Alors vous n'avez plus de transgression. And then, you don't have transgression. Aujourd'hui, today. Toutes les transgressions, all transgression, dans vos vies, in your life, est fini. Is finished. Praise God. Est-ce que vous avez compris? Have you understood? By Yuda, les Juifs, the Jews, qui portent les longues barbes, mais they have long beard, comme ils sont là, as they walk outside, ils sont les transgresseurs. They are transgression. Ça va cesser? It will stop. Quand ils recevront le Messie. Where they will receive the Messiah. Acclamons le Seigneur. Let us pray to the Lord. Pour le premier but. Praise God. For the first purpose. Deuxième but. Second purpose. Si je ne finis pas, on va continuer. If I don't finish, we'll carry on. Mettre fin au péché. To finish and the sin. Le péché. Sin. C'est l'incrédulité. Is unbelief. Adultère, ce n'est pas le péché. Adultery is not sin. L'impudicité, ce n'est pas le péché. Fornication is not sin. Voler, ce n'est pas le péché. Stealing is not sin. Ce sont les attributs du péché. Oui, docteur. Those are attributes of sin. Yes, doctor. L'adultère. Adultery. L'impudicité. Fornication. Voler, to steal. Ce n'est pas le péché. Is not sin. Mais c'est l'attribut. They are attributes of sin. Ce sont les fruits du péché. Those are the fruit of sin. Mais le péché, but sin, c'est l'incrédulité. Is unbelief. Jean 16:8. John 16:8. Jésus dit, quand le consolateur viendra. Jesus said, when the comforter shall come. Il va vous convaincre du péché. He will convince you from sin. Et il vous donnera la justice de Dieu. And he will give you God righteousness. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. The comforter is the Holy Ghost. Mais le vrai Saint-Esprit dans la plénitude. But the true Holy Ghost in fullness. Vient selon Apocalypse 10. Comes according to Revelation 10. Là, le messager du temps de la fin devient le Saint-Esprit. Where the messenger of the end time became the Holy Ghost. Il est venu pour nous consoler. He came to comfort us. Nous convaincre que signifie le péché. He came to convince us what is sin. Et il nous a dit que le péché est. He has told us that sin, ce n'est pas adultère. Is not adultery. Ce n'est pas l'impudicité, dit amen. Is not fornication. Oh my friend, believe what I'm preaching. Ce n'est pas voler. Is not to sin. Ce sont les attributs du péché. Those are attributes of sin. Mais le péché, but sin, c'est de ne pas croire. Is not to believe. Alors qu'est-ce qu'il n'avait pas crié? Now, what? They never believe. Rapidement, écoutez, frère Branham. Listen to Brother Branham. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas cru? What they never believe. Pourquoi ils étaient des pécheurs? Why were they sinners? J'aime beaucoup cette citation. Des pécheurs. They were sinners. Branham a dit quand il a vu leurs yeux s'ouvrir. But I'm saying this point when they saw him, their eyes were open. 161. 161. Il dit qu'il n'y ait pas un seul pécheur qui reste dans ce bâtiment ce soir. He said, let not be one sinner in this building tonight. Un incrédule.
an unbeliever. Il se pourrait qu'il soit ici ce soir. He may come here tonight. Qui serait offensé? Who will be offense? Parce que je leur ai appelé pécheurs. Because I called them sinners. Mais Père Dieu. By Father God, tu as traité les pharisiens. You call Pharisees. Qui étaient religieux. They were religious. Des démons. They were demons. Des pécheurs. They were sinners. Parce que. Because. Leur père était le diable. Their father was the devil. Pourquoi? Why? Ils n'ont pas reconnu. They never recognized. La parole confirmée. The vindicated word. Ils pouvaient croire au Messie. They could believe the Messiah. En tant qu'un esprit. As a spirit. Mais quand le Messie est venu. When the Messiah came. Dans un homme. In a man. Ils n'ont pas cru. They never believed. Alors ils sont des pécheurs. And then they are sinners. Et aujourd'hui. Today. Les gens aussi sont des pécheurs. Today also. People are sinners. Les pharisiens. Pharisees. Ne volaient pas. They never steal. Ne fumaient pas. They never smoke. Ne commettaient pas adultère. They never commit adultery. Quand tu commets, on te lapide. When you commit adultery, they kill you. Mais c'était des pécheurs. But they were sinners. Asumuki. Sinners. Yako sakanate ya danger. They were sinners. Mais la femme prostituée. By the prostitute woman. Avec son adultère. With an adultery. Mais elle n'était pas pécheur. She was not a sinner. Quand il a écouté Jésus. When she heard Jesus. Il dit c'est le Messie. He said you are the Messiah. Elle est partie même prendre l'argent de l'adultère. She went to take the man of adultery. Elle a acheté le parfum. She poured perfume. Pour pleurer aux pieds de Jésus. To weep in feet of Jesus. Mais Caïphe. By Caiaphas. L'homme saint. The holy person. C'était un pécheur. Was a sinner. Quand Jésus se présente, when Jesus stood there, il dit tu es Belzeboul. So you are Belzeboul. Pécheur. Sinner. Et aujourd'hui, and today, faire cesser le péché, to finish the sin. Ils ont péché, they have sinned. Ils n'ont pas cru que Jésus est le Messie. They never believed that Jesus was the Messiah. Mais tous les prostituées, all prostitutes, même Pierre, even Peter, qui ont crié à lui, believe in him. Ils n'étaient plus des pécheurs. There are no more sinners. C'est la même chose aujourd'hui, ma gamme, c'est la clé. The same thing today. Let me speak openly. Tout pentecôtiste. All Pentecostal. Même s'il vit plus mieux que moi. Even though he live a good life than me. Il n'est jamais tombé. He never fell with a woman. Il n'a jamais triché. He never cheat. Saint. Holy. Vierge. Virgin. Même si c'est une fille, oh, je suis even though you're a girl, she a virgin. On va voir. We'll see. Quand la parole se fait chair aujourd'hui, when the word is being made flesh today, selon la promesse, according to the promise, ils croient à Élie le prophète, they believe Elijah the prophet, comme un esprit, like a spirit. Mais quand on leur dit, when we tell them, voici Élie, this is Elijah, ils disent non. They say no. Ce sont des pécheurs. They are sinners. Est-ce qu'il y a un grand man? Can I help you, man? Voilà les croyants. This is the believer. De ce côté-ci, je vous sens. I can feel you that side. De ce côté-ci, je ne sais pas si vous croyez. This side, I don't know if you believe. Parce que si vous ne croyez pas, if you don't believe, vous étiez venus, vous deviendrez des pécheurs. You came and you'll become sinners. Le péché, si, c'est l'incrédulité. This unbelief. Quelle incrédulité? Which unbelief de croire à la parole faite chair dans votre temps. Is to be not to believe the word make flesh in your time. Et où est-ce qu'ils ont commis leur grand péché? When do they commit the great sin? Oh, le temps me fait défaut. Oh, time is up. Matthieu 27. Matthieu 27. Allez lire ça à la maison. Go and read it home. Matthieu 27. Les Juifs, le peuple le plus saint. The Jews, the most holy people. Vous croyez à ça? You believe that? Dans la ville la plus sainte. In the most holy city. C'est quelle ville? Which city? Jérusalem. Jérusalem. Ils prennent le Dieu le plus saint. They took the most holy God. Qui est Dieu? Who is God? Jésus-Christ. Jesus Christ. Ils l'amènent à la croix. They bring him at the cross. Même Pilate a dit. Even Pilate said. Il n'y a rien de mauvais dans cet homme. There's nothing bad in this man. L'État a cassé le cambo. L'État, the state, the government settled the thing. Il n'a rien fait du mal. He have done nothing of bad. Oh, anyway, vous êtes des religieux. Anyway, you are religious. Moi, je suis l'État.
Me, I'm a state. Ils ont crucifié le mari de la religion et l'État. Who crucified him? The marriage, religion and the state. Mais l'État a voulu le relâcher. But the state, the government want to release him. Vous comprenez pourquoi l'État nous a relâchés? Do you understand why the state release us? Mais les pharisiens, les religieux du message. But Pharisees, religious people in the message. Vous avez la réponse. You've got the answer. Et bon. Ici. Entre Barabbas, between Barabbas et Jésus, and Jesus, que je relâche qui? Où m'as-tu release? Tous, all of them, relâchez Barabbas, release Barabbas, crucifiez-le, crucify him. Mais qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Non, non. Il s'est dit il est Dieu. He say he's God. Il ne respecte pas le sabbat. He doesn't respect the Sabbath. Crucifiez-le. Crucify him. Mais il n'a rien fait du but mal. He have done nothing of bad. Ils ont crié. They que shouted, son sang. No, let his blood tombe sur nous. Come upon us. Et sur nos enfants. Upon our children. Frère Branham me dit. Brother Branham say. Les jours là, le monde a tremblé au ciel. That day, the world shook in heaven. Les hommes les plus saints. The most holiest people. Si c'était les Congolais, on va comprendre. If it was Congolese, we les could understand. Juifs. The Jew. Si c'était à Jobour, on va comprendre. If it was in Jobek, we could understand. À Jérusalem. But in Jerusalem. Crucifier le Dieu saint. Crucifying the most holy God. On dit crucifiez-le. Crucify him. Qu'il meurt. Let him die. Oh, le temps. Oh, time. Et Jésus a prêché sa dernière prédication. And Jesus preached his last preaching. Un jour, je vais vous prêcher ça. One day I'll preach you that. Une prédication à sept mots. A preaching with seven words. Et au milieu. And in the middle. Deux voleurs. Two robbers, two tortoises. Première prédication, j'ai soif. The first preacher said, I'm thirsting. Deuxième, Eli, Levi, Sabatani. Eli, Sabatani. Je ne vais pas entrer dans ça. Alors, entre vous deux. Avant d'entrer dans le troisième. Now, before to go in the third one. Ils sont venus les percer ses côtes. They come to pierce his ribs. Il dit, Père, pardonne-leur. He said, Father, forgive them. Troisième. Third one. Quatrième. Fourth one. L'autre là à gauche. The other one at the left. Oh. Si aussi tu es le Messie. If you are really the Messiah. Look the way we are now. Sauve-toi toi-même. Just save yourself. Sauve-nous aussi. And save us. Si Dieu t'avait envoyé à Jobu. If God sent you in Jobek. Zach, attendez, balade. Look, Zach, look, I don't have money. You don't bisopé, non? Get money and then we also will get money. Hey, ça c'est mauvais de dire. Is it bad to say that? Mais celui qui est à droite. But the one was at his right hand. Voulez-vous écouter Frère Branham? Do you want to listen to Frère Branham? Il dit il était venu au monde pour être un prédicateur. He said that one came in the world to be a preacher. Même s'il volait, even though he was a tortoise stealing, mais il était prédicateur. But he was a preacher. Il a prêché une seule prédication. He preached one sermon. Pendant que Jésus prêche les sept mots. While Jesus preached the last one. Lui ne prêche pas avant. Him, he doesn't preach before. Il prêche quand les seaux sont ouverts. He preached when the seas are open. Il prêche son ami. He preaches his friends. Il dit mon cher. He said, my buddy. Moi et toi. Me and you. Nous méritons ça. We deserve this. Mais lui. But him. Il n'a rien fait du mal. Never done something wrong. Qui peut dire amen? Who can say amen? Pas seulement ça. Not only that. Jésus n'a rien dit. Hein? Jesus kept quiet. Jésus a dit amen dans le cœur. Jesus said amen in his heart. Bon, dis-moi. Now tell me. Lui n'allait pas à l'église. Him, he never used to go in church. The white man. Comment il a compris pour dire? How did he understood to say? Bon, après que j'ai prêché l'autre. Now, after I've preached my friend. Parce que c'est un incrédule. Because he's an unbeliever. Bon, j'ai fait mon travail. Now, I've done my job. Bon, Seigneur. Say, Lord. Comment il a su que Jésus est Seigneur? How did he know that Jesus was the Lord? Il dit, Seigneur, Lord, quand tu viendras dans ton royaume, when you shall come in your kingdom, dans la pierre de fer, in a capstone, comment il a compris que Jésus a un royaume? How did he understood that Jesus is a kingdom? Souviens-toi de moi. Remember me.
Et Jésus répond. Hey, Jesus answers. Ce soir même. Tonight. Nous serons avec toi. I'll be with you. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? C'est fou. It's you. Et ce prédicateur-là. This preacher. C'est Zakola. There's Zakola. Lui ne prêche pas avant. He doesn't preach before. Il attend les sept sceaux. He is waiting for the seven seals. Alléluia! Alléluia! Il y a quelque chose dans ton cœur. There's something in your heart. Les gens disent que le message est faux. People say the message is false. Frère Branham, c'est un faux prophète. Brother Branham is a false prophet. Mais toi, qu'est-ce qui te passe? But you, what is happening in you? Pendant qu'ils disent ça, when them they are saying that, il leur dit nous tous ici les pentecôtistes. He said, look, nous méritons l'enfer. Us, we deserve. We deserve hell. Mon cher, lui c'est Branham, c'est le prophète. Branham is a prophet. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Who told you that? Frère Branham a dit. Branham say. Sa théophanie. His theophany. Il ne pouvait pas quitter la terre. He couldn't leave the earth. Sa théophanie est venue. His theophany came. Pour lui dire. To tell him. Que Jésus est le Messie. That Jesus is the Messiah. Hallelujah. Hallelujah. Mes frères. My brother. Il y a quelque chose dans ma vie. There's something in my life. Malgré mes faiblesses. Beside my weakness. Malgré mes problèmes. Beside my problem. Malgré ce que je suis. Beside what I am. Il y a quelque chose. There's something. Dans ma vie. In my life. Qui me dit toujours. That always tell me. Que le message est la vérité. That the message is true. Ce n'est pas mon père qui me l'a appris. It's not my father told me. C'est ma théophanie. It's my theophany. Me dit que Frère Branham est prophète. Telling me. Par la mise en place. Et les sept sceaux sont ouverts. The seven seals are open. Et je suis ici. I'm here. Pour prêcher. To preach. À tout Jobu. To all Jobek. Même s'il me condamne. If you don't condemn me. Mais j'ai dit à Dieu. I say to God. J'ai prêché les 70 semaines. I preached the 70 weeks. Souviens-toi de moi. Remember me. Je sais que je ne suis pas meilleur. I know I'm not the best. Mais il y a quelque chose. But there's something. C'est ma théophanie, mon frère. My theophany. Il y a quelque chose en vous. There's something in you. Est-ce que vous le croyez? Do you believe? Oui, mes frères. Yes, my brother. Nous ne sommes pas des pécheurs. We are not sinners. Toi, tu n'es pas un pécheur. You are not a sinner. Le péché, sin, c'est l'incrédulité. Is unbelief. Mais toi, tu n'es pas un incrédule. You are not an unbeliever. Tu crois. You believe. Même à la dernière minute. Even the last minute. Tu crois, mon frère. You believe. Oh, merci, Seigneur. Thank you, Lord. Je pense que je vais arrêter ici. I will stop here. Je me suis senti dans les lieux célestes. I fell in heavenly places. J'ai pensé à ma vie. I thought my life. Mon père n'était pas pasteur. My father was not a pastor. Ni ma mère. Neither my mother. J'étais catholique. I was catholic. Mais qu'est-ce qui me prend? What takes me? De croire. To believe. Que le message. That the message. Est la vérité. Is the truth. Il y a quelque chose. There's something. Que le monde m'insulte comme ils veulent. Let the world insult me. Il y a quelque chose. There's something. C'est pourquoi je suis ici. That I'm here. Pour prêcher ces to choses. Preach these things. Jusqu'à ma dernière énergie. Until my last strength. Je dirai au monde entier. I'll tell the entire world. Que le message est vrai. The message is true. Frère Branham est prophète. Brother Branham is a prophet. Leur péché. Their sin. Ils ont crucifié. They've crucified. Ils crucifient la parole. They are crucifying the word. Mais vous, but you, vous ne crucifiez pas la parole. You don't crucify the word. Oui, yes, sir, sister. Tu n'es pas pécheresse. You are not a sinner. Quand tu viens ici, sir, when you come here, sister, quand tu étais pentecôtiste, when you used to be pentecostal, tu avais l'argent. You had money. Depuis que tu as cru, since you believe, tu n'as plus rien. Got nothing. Mais pourquoi tu n'abandonnes pas? Why don't you forsake it? Tu es une fille de Dieu. You are a daughter of God. Tu es un fils de Dieu. You are a son of God. Mais les hommes les plus saints, by the most holy people, ils crucifient ce message. They are crucifying this message. Mettre fin au péché. To make an end to sin. Ils ont rejeté le Messie. They've rejected the Messiah. Crucifiez-le. Crucify him. Et quand ils ont dit ça, when they've said that, chaque fois, every time, quand vous crucifiez le Messie, when you crucify the Messiah, vous êtes des pécheurs. You are a sinner. Des incrédules. Unbeliever. Le péché. Si. 2 Corinthiens 3, 14. Fait le rejet du Messie. The rejection of the Messiah. Ça fait des pécheurs. Make them to be sinners.
Et le rejet du Messie, the rejection of the Messiah, la conséquence de ça, the consequence of that, a été toujours le déluge. Always be the flood. C'est pourquoi en l'an 70, that way, the year 70, ils ont été dispersés. They were scattered. Le péché, sin, de l'Amérique, of America, et du monde entier, and of the entire world. Ils ont rejeté William Branham. They've rejected William Branham. Los Angeles ira dans l'eau. That's why Los Angeles will sink in the water. L'Amérique est dans le déluge. America is in the flood. Et le péché de Johannesburg. A sin of Johannesburg. Ils ont rejeté un ministère. They've rejected the ministry. Venant de Dieu. Coming from God. C'est pourquoi ils sont dispersés. That's why they are scattered. Il y a le déluge. There are the flood. Ils croient des fausses choses. They believe false things. Mais vous, but you, vous êtes des croyants. You are a believer. Quand on crucifiait Jésus, when they were crucifying Jesus, il était avec eux. He was with them. Mais l'autre, the other one, soutenait toujours Jésus. Stood always with Jesus. Mais l'autre, but the other one, venait pour les intérêts, il critiquait. Come for interest, he was criticizing. Ce groupe-là est ici. The same group is here. Alors vous êtes de quel groupe? Which side are you standing? Et vous remarquerez que you'll notice that. Regardez, projetez-moi ça, je m'arrête là. I'm stopping here, just project that. Je sentis une chose que j'ai jamais sentie. I felt something I never felt before. Et ma théophanie m'a dit aujourd'hui. My theophany told me today. C'est pas par mes efforts. It's not by my might. Un élément surnaturel m'a dit aujourd'hui. A supernatural element told me today. Qui suis-je réellement? Who really I am. Et qui vous êtes. And who you are. Observez ici. Watch here. Le déluge. The flood. Je ne peux pas continuer les trois. I cannot go into the third one. Projetez-moi le déluge. Just show me. Project the flood. Frère Bonhomme prêche l'invasion des États-Unis. But I preach the invasion of America, United States. Qu'est-ce qui a envahi les États-Unis? What invented America? L'Église catholique a envahi les États-Unis. Catholic Church invented America. Il y a le déluge. There are the flood. Savez-vous que deux tiers du monde entier c'est l'eau? Do you know two thirds of the entire world earth is water? C'est l'eau. It's water. Mais la terre? But the earth? C'est un tiers. Just one third. C'est-à-dire les un tiers de la terre? Now the one third of the earth seront tout englouti dans l'eau. Will be swollen by water. Premier 2000 ans, the first 2000 years, Adam and Noé, from Adam to Noah, 20 siècles, 20 circles, il y a eu le déluge. The flood. L'arche de Noé et la pyramide de Noé sont les seules choses qui ont résisté au déluge. Only the ark of Noah and Enoch pyramid stood above the flood. L'arche c'est le message. And the ark is the message. Enoch a construit la pyramide, c'est l'épouse. And Enoch built the pyramid, is the bride. C'est la seule chose qui peut résister. It's the only thing that can resist. Qui peut dire amen? Okay, say amen. Et il y a déluge. Now there's a flood. Frère Branham dit. Branham say. Dieu a créé la lune. God created the moon. Pour gérer l'eau. To control the water. Pour que l'eau n'envahisse pas la terre. So that water shouldn't go over the earth. Qui peut dire amen? Who can say amen? Et observez dans le deuxième 2000 ans. Now, watch in the second 2000 years. De Noé à Jésus. From Noah to Jesus. 20 siècles, 2000 ans. 20th century, 2000 years. Le déluge d'Israël. The flood of Israel. Israël, c'était les un tiers. Israel was the one third. Mais Rome. But Rome. Quand vous lisez Rome dans Apocalypse 13, when you read Rome in Revelation 13, c'est la bête qui monte de la mer. She is the beast coming from the ground. Rome, c'est le deux tiers, c'est lui l'eau. Rome is the two thirds representing water. Il a envahi la terre d'Israël. Overcome the earth of Israel. Par Titus. With Titus. Il y a eu déluge. There was the flood of Israel. Israël s'est dispersé. Israel was scattered all over the world. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Par Titus, ils sont dispersés. With Titus, they were scattered all over the world. Et observez maintenant, projet continue. Move on.
Alors, then, de Jésus à William Branham, from Jesus to William Branham, 2000 ans, in another 2000 years, 20 siècles, 20 centuries, il doit y avoir un autre déluge. There must be another flood. Cela est déjà arrivé. It already happened. Les États-Unis, the United States, c'est la bête qui monte de la terre. She is the beast coming out of the earth. Qui peut dire amen? Okay, say amen. Or la terre c'est un tiers. Now the earth is one third, isn't it? Et Rome, and Rome, c'est la bête qui monte de la mer. She is the beast coming out from the water. C'est lui l'eau. That is water. Des tiers. Two third. Quand le pape est parti là-bas, when the pope went there, quand ils ont eu un président catholique, when they put a Catholic president, c'est ça le déluge aux États-Unis. That was the flood in America. Déluge spirituel. The spiritual flood. Le catholicisme a envahi les États-Unis. Catholic invaded America. Vous comprenez? You understand? C'est la même chose. Likewise. À l'absence de la lune, by the absence of the moon. Avant le déluge au temps de Noé, before the flood in the time of Noah, la lune était partie. The moon went away. Quand il y a eu secousse, when there was that shaking, l'eau a pris tout. Water took over. Quand Jésus mourait, when Jesus was dying, il y a eu des éclipses. There was eclipse. La lune s'est éloignée. The moon la lune a away. Fermé les yeux. The moon closed Je his ne veux eyes. Pas voir les créateurs mourir. I don't want to see the creator die. Même le soleil a fermé les yeux. Even the sun closed his Mais eyes. Mais ils sont dit, crucifiez-les. But then they shouted, crucify him, crucify him. Ils ne savaient pas qu'après la crucifixion, they never knew that after crucifixion, Titus viendra comme le déluge. Titus will come just as a flood. C'est pourquoi au temps de William Branham. That was in this time of William Branham. Merci d'avoir caché ces choses. Thank you for hiding these things. Aux sages et aux intelligents. To wise and prudent. Tu as révélé ça. You have revealed it. Aux humbles. To humbled. Remarquez. Notice. William Branham. William Branham, les états de l'église, the seven church ages, qui a été photographié, projetez-moi which ça, which was taken in the picture, quand le pape Paul VI, when the pope Paul VI, va à Jérusalem, went in Jerusalem, il y a eu l'éclipse, there was an eclipse, sept photos, seven pictures, la septième n'est même pas à Paris, the seventh one didn't even appear, tout était noir, blackout. L'absence de la lune. The absence of the moon. Alors, then, Frère Branham a dit, Jérusalem et moon blackout. Branham said with Jerusalem moon blackout. Quand vous prenez les initiales, when you take initials, 50 ans après, 50 years later, le premier pape jésuite est monté à Rome. The first Jesuit pope went to Rome. Son nom c'est Giorgio Mario Bergoglio. His name is Giorgio Mario Bergoglio. Les initiales de son nom. The initial first letter of his name. Parlé par Branham. Was spoken by Branham. G, Jérusalem. M, G, Jérusalem. B, M, Bergoglio. B. Et il part aussi à Jérusalem. He also went to Jerusalem. Pour commémorer les 50 ans de Paul VI. To commemorate the 50 years of Paul VI. Cette photo. This picture. C'est le signe. Is the sign. C'est quoi la septième n'est même pas à Paris. That the seventh one didn't even appear. C'est le déluge. Is the flood. La lune a quitté le monde. The moon left the world. Personne ne peut être sauvé aujourd'hui encore dans l'église. No one in the church can be saved. La seule manière d'être sauvé quand il y a le déluge. The only way to be saved when there's a flood. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Il faut entrer dans l'arche. You must come into the ark. Parce que l'arche ira au-dessus du déluge. Because the ark will go above the flood. L'arche résiste au déluge. The ark always overcome the flood. Aujourd'hui, toutes les églises. Today, the entire church in the world. Pentecostal. Methodist. Ils ne savent pas. They don't know. Mais ils sont déjà dans l'eau. But they are already under the water. Quelle est l'eau que je parle? Which water I'm talking about? Le catholicisme. Catholicisme. Ils rentrent à Rome. They are going back to Rome. Est-ce que vous êtes spirituel? Are you spiritual? Comment? How? Le conseil écuménique. Ecumenical Council of Churches. Est-ce que vous croyez? Do you believe? Tous sont dans les déluges.
All of them that are in the flood. Mais il y a un peuple. But there is a people. Ils ne sont pas nombreux. They are not many. Ils étaient huit. They were eight. Noé avec sa femme et trois enfants avec sa femme, ça fait huit. Noah with his wife, three children and their wives. Un nombre eight. De l'éternité. A number of eternity. Eux, them. Ils sont dans l'arche. They are into the ark. Entrez dans l'arche aujourd'hui. Come into the ark today. C'est le message de l'heure. Is this message of the hour? Pendant qu'il y a le déluge, when there's a flood, l'arche résiste. The ark will stand. C'est pour cela. That's why. La seule chose qui te fait entrer dans l'arche, the only thing that brings you into the ark, c'est d'ôter l'incrédulité. Is to remove unbelief. De croire à la promesse. And believe the promise. Parce que, because, mettre fin au péché. To end sin d'Israël, of Israel. Dieu va le mettre. God will put it. Dieu va l'accomplir dans les trois ans et demi. God will fulfill it in these 3 years and a half that remain. Ils vont croire Jésus. They will believe Jesus. C'est là où le déluge va then finir. The flood l'eau will va descendre. The water will be reduced. Et quand l'eau est descendue, when the water is reduced, Noé a quitté l'ancien monde. Noah left the old world. Il est entré dans l'arche. He entered into the ark. Et quand l'eau est finie, when the water finished, Noé met les pieds. Noah came out dans un nouveau monde, into a new world qui vient d'être lavé par l'eau. That came to be washed by water. Mais, but le bateau est resté. The boat remained dans la montagne d'Arara. On est mort Arara. Noé ouvre la porte de haut. Noah opened the window from above. La première lumière du nouveau monde, the first light of the new world, a éclairé l'arche. Shining on the ark. Le peuple dans l'arche. The people in the ark reçoit la lumière du nouveau monde. They've received the light of the new world. Mais ils n'ont pas encore piétiné le nouveau monde. But the heaven went into the new world. L'onction du millénium. The anointing of the millennium est déjà en nous. Is already in us. Le millennium est en nous. The millennium is in us. Qui peut dire amen? Who can say amen? Par le septième sol. By the seventh sea. Mais but le millennium est vrai. The true millennium n'a pas encore eu lieu. Heaven started yesterday. La lumière du nouveau monde, the light of the new world, éclaire les croyants du message. They are shining on the believer of the message. Le millennium est en nous. The millennium is in us. L'éternité est en nous. The eternity is in us. Mais but il faut que nous entrons aussi là-bas. We need to enter up there. Alors mettre fin au péché. Now, to end sin, alors cela accomplira Zacharie 12. That will fulfill Zachariah 12. Et Apocalypse 1, 7. And Revelation 1, 10, 7. Il vient avec les nuées. He come in the clouds. Tout œil le verra. All eyes are seen. Même ceux qui l'ont crucifié. Even those who crucify him. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. And all the tribes of the earth will cry. Branham dit d'exposer. In the seven churches book, il vient avec les nuées. He comes in the cloud. Il ce n'est pas l'enlèvement. But that's not the rapture. C'est quand il viendra prendre sa place de gouverneur. It's when he comes to take his position as a governor. Et quand il vient, when he comes, vous voyez Israël. You see Israel. Malgré leur incrédulité, beside their unbelief, Jésus leur a déjà demandé pardon pour eux. Jesus already has forgiveness for them. Père, Father, pardonne-le. Forgive them. Madame dit pourquoi? Why? Parce que c'est lui-même qui les a aveuglés. It himself who blinded them. Pour que nous, so that us, nous soyons sauvés. We should be saved. L'aveuglement d'Israël, the blindness of Israel, c'est Dieu qui a fait ça. It God who did it. Mais Madame dit l'Odyssée est aveugle. But I'm saying, l'Odyssée are blind. Madame dit n'est pas aveugle, il est myope. But what I'm saying, they are not blind, they are short sight. Ils voient les grandes choses. They can see big picture. Mais les petites choses. But they cannot see the details. Leurs yeux ne voient pas. Their eyes cannot see it. Ils ne prêchent pas les détails. They don't preach the details. Tu peux dire amen? Who can say amen? Ils croient que Jésus est Dieu. They believe Jesus is God. Mais les détails. But the details. Ils ne voient pas ça. They don't see that. C'est ça la myopie. That is to be short sight. L'aveuglement d'Israël. What I'm saying, the blindness of Israel, par leur incrédulité, by their unbelief, donna la vie aux nations, gave life to nations,
Et l'aveuglement des nations. Now, the blindness of nations. Par la myopie et l'incrédulité à Branham. By the short night, by the short sight and unbelief to Branham. Va ramener l'évangile. Will bring back the gospel chez les Juifs. To the Jews. Et en ce moment-là, then, Dieu, God, va stopper leur péché. Will end their sin. Frère Branham dit, ils pleureront. Bible said they will mourn. Ce serait le deuil. It will be the mourning. Le deuil. The mourning. Parce qu'ils étaient aveuglés. Because they were blind. Frère Branham dit, comment comprendre ça? Bible said, how to understand that? Quand Dieu va expier leur péché. When God will atone their sin. Il mettra fin à leur péché. He will stop their sin. Ils croiront que Jésus est le Messie. They will finally believe that Jesus is the Messiah. Branham dit que ça se révèle dans l'histoire de Joseph. Branham said it's been revealed in the story with Joseph. Joseph était avec ses frères. Joseph was with his brother. Mais Joseph avait des songes. But Joseph had dreams. Il était spirituel. He was spiritual. Joseph était aimé de son père. Joseph was the beloved from the father. Mais haï par ses frères. But hated by his brother. Jésus est notre Joseph. Jesus is our Joseph. Il est aimé du père. He is the beloved from the father. Le père a dit, voici celui qui est mon fils. The father said, behold my son. Mais ses propres frères, les Juifs. But his old brother, the Jew, l'ont haï. Hate him. Et quand ils ont haï Joseph, when they hate Joseph, ils l'ont pris. They took him. Ils l'ont vendu. They sold him out. Ils ont dit qu'il est mort. They say he died. Et c'est la même chose. Likewise. Les frères de Jésus, les Juifs, the brother of Jesus, the Jew, l'ont haï. Hate him. L'ont crucifié. Crucify him. Et c'est Judas Iscariot qui l'a vendu. And it's Judas Iscariot who sold him out. Est-ce que vous dites amen à cela? Is it true? Alors, quand Joseph a été vendu, when Joseph was sold out, c'était le déluge pour eux. It was the flood upon them. La famine est venue. Famine came. Où était Joseph? Where was Joseph? Il est parti en Égypte. He went in Egypt. Et là en Égypte, there in Egypt, ses frères l'avaient enterré, ils pensaient qu'il est mort. His brother buried him. They thought that he died. Dieu l'a ressuscité. God resurrected him. C'est quoi même Joseph dans la prison? That was even Joseph in the prison. Comme Jésus dans la prison de la croix. Like Jesus in the prison of the cross. Il y avait un des voleurs de ses côtés. There was two thieves, one in his left, Joseph one in his right. Joseph aussi en prison. Joseph also in a prison. Il y avait deux travailleurs de Pharaon. He had two workers of Pharaoh in a prison. Chanson et l'autre. The other one and the third one. Joseph a interprété le songe. Joseph interpreted a dream. L'autre a été sauvé, il est rentré chez Pharaon. One was saved, went back to Pharaoh. L'autre a été mort. The other one was killed. Jésus à la croix des voleurs. Jesus had the cross two thieves. L'autre a été sauvé, il est parti au ciel. One was saved, went to heaven. L'autre est parti en enfer. The other one went to hell. Qui peut dire amen? Who can say amen? Et après, after, le Pharaon a élevé Joseph. Pharaoh promoted Joseph. Après qu'il a interprété le songe. After he interpreted the dream. Les sept vaches. Seven cows. Les sept âges de l'église. Seven churches. Joseph. Après les sept âges. After seven churches. Sept vaches. Seven cows. Vous voyez sept sortes. Seven seeds. Sept vaches maigres. Seven slain cows. Les sept âges de l'église. Seven churches. Sept vaches grasses. Seven big cow. Les sept sauts. Seven seals. Vous voyez? You see. Quand cela arrive. When it happens. Pharaon. Pharaoh. Élève Joseph. Promote Joseph. De la prison. From the prison. Il est devenu premier ministre. He become premier minister. Personne ne peut voir Pharaon sans passer par Joseph. No one could see Pharaoh without going to Jésus Joseph. Après la croix. Jesus. After the cross. Quand il sort de la prison de la mort. When he come from the prison of death. Dieu l'a élevé. God lifted up au-dessus de tous les noms. Above all names. Personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus. No one can go to the Father without passing by Jesus. Si vous le croyez, dites amen. If you will et say en amen. Ce moment-là, in that time, Joseph change le nom. Joseph change his name. Il a un nouveau nom. He's got a new name. On l'appelle Safnat Panea. We call him Safnat Panea. Et il n'est plus célibataire. He's no more a single man. Il a épousé une femme égyptienne. He married an Egyptian woman. Son nom c'est Asnat. Her name is Asnat. Jésus ne s'est pas marié au temps de Paul. Jesus
Après l'ouverture des seaux, after the opening of the seas, Jésus descend avec les sept tonnerres. Jesus came down with seven thunders. Avec un nom nouveau, with a new name, la parole manifestée, the manifested word, est son nom. It is his name. Est-ce que vous le croyez? Do you believe? Il se marie. Is getting married avec l'église des nations, with the church of nations. Vous et moi l'épouse, you and me the bride. C'est toi Asnat, you are Asnat. Quand Joseph est marié, when Joseph got married, il ne porte plus les habits comme un hébreu. He's no longer wearing like a Jew, like a Hebrew. Il s'habille comme un Égyptien. He's dressing like an Egyptian. Et il ne parle plus l'hébreu. He no longer speaks Hebrews. Il parle l'Égyptien. He speaks Egyptian language. En ce temps-là, in that time, l'Égypte était la nation la plus puissante. Egypt was the most powerful country. L'Égypte d'aujourd'hui, the Egypt of today, c'est les États-Unis. It's United States America. Et la langue égyptienne d'aujourd'hui, the Egyptian language today, c'est l'anglais. Is English. L'habit que Joseph porte, the dress that Joseph is wearing. Observez, watch. Ce n'est pas une autre personne. Is not another person. C'est toujours Joseph. Is still Joseph. Mais dans un nouveau langue, but a new language. Dans un nouveau pays, a new country. Dans une nouvelle habit, a new dress. Il ne s'agit pas de deux personnes. Is not two people. C'est Joseph dans la nuit. Joseph in the cloud. Mais il porte les habits. Is wearing dress. Il s'incarne. Is he being collected? Par un corps égyptien. By an Egyptian body. Un corps américain. American body. Appelé William Marion Branham. Called William Marion Branham. En ce moment-là. In that time. Nous sommes Asnat. We are Asnat. Tu peux dire amen. Who can say amen? Et en ce moment-là. In that time. Il ne prêche pas en hébreu. He don't preach in Hebrew. Il parle en anglais. He preach English. Il a prêché en anglais. He preach in English. Branham dit, vous écoutez ma voix. Branham say, you listen to my voice. Mais ce n'est pas moi qui parle. Me speaking. C'est Jésus qui prêche. It is Jesus preaching. Qui a ouvert les seaux. Who opened the seals. Ce n'est pas Branham. It's not Branham. C'est l'agneau. He's the lamb. Qui est l'agneau. Who's the lamb. C'est Joseph. He's Joseph. Mais il n'a pas ouvert les seaux. He never opened the seals. En hébreu. In Hebrews. Il a ouvert en anglais. He opened the seals in English. La Asnat est là. Asnat is there. Et ils ont mis au monde deux enfants. They gave birth to children. Ephraim et Manassé. Ephraim and Manasseh. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. I've got many things to say in that. C'est la naissance de l'épouse. The birth of the bride. Maintenant, quand Joseph est là marié, when Joseph is there being married, le déluge, the flood, la famine, famine. Ses frères sont venus. His brothers came. Ils ne le reconnaissent pas. They no longer recognize him. Il dit, oh patron, oh boss, oh chef, oh chief. Ils se sont mis à genoux. They were on their knees. Ils avaient refusé quand les songes étaient donnés. They refused when the dreams were given. Mais Dieu les a obligés. God forced them. Oh, nous, vous venez d'où? Where do you come from? Joseph leur parle par interprète. Joseph speak to them with interpreter. Joseph leur parle par Zakola. Joseph speak to them by Zakola. C'est nous l'interprète du message. We are the interpreter of the message. C'est la voix de Dieu, c'est nous. Is the voice of God is us. Alors, then Joseph les reconnaît. Joseph recognize them. Mais eux, ils ne les reconnaissent pas. But them, they never recognize him. Cette partie-là, that part, est déjà accomplie. He's been fulfilled. Les Juifs ont rencontré Frère Branham. The Jews met Brother Branham. Frère Branham les reconnaît. Branham recognized them. Je voulais dire Jésus dans Branham. I want to say Jesus in Branham les reconnaît. Recognize them. Mais eux, but them, ils ne les reconnaissent pas. They never recognize him. Branham dit, Branham say, il dit que say, le Messie fait maintenant des miracles de guérison, il guérit les Juifs. The Messiah is doing miracle wonders, he's healing the Jews. Mais eux, ils ne les reconnaissent pas. But them, they don't recognize him. Mais Jésus les connaît. But Jesus knows them. Cette partie-là, that part, est déjà accomplie. Is fulfilled. Si vous le croyez, dites amen. Quand Frère Branham était vivant, when Brother Branham was still alive. Maintenant, quand Joseph les voit toujours, now when Joseph looking at them, il ne peut pas se contenir. He cannot contain himself. Il les invite. He invites them. Remarquez que, notice, il était dans la chambre d'en haut. He was in a higher room. Et ils étaient au salon. They were in a living room. Et il descend. He came down pour se révéler à ses frères. To be revealed to his brother. Il a dit à Asnat.
He said to us that ce sont mes frères. They are my brothers. Mais ils ne me connaissent plus. But they don't know me. Je vais leur dire que c'est moi. I'll tell them it's me. Quand il descend, where is descending? Vous êtes avec moi, je termine. C'est are pour aller se révéler à ses frères. Is to go to be revealed to his brothers. Mais, but il comprend que he understands l'épouse, the bride, ne doit pas être là. Must not be down. Parce que quand il parlera le bruit, when he will speak Hebrews, sa femme pensera comme si bazo tongaye. The woman will think that God speaks on her. Il part vers ses frères. He goes to his brothers. Mais, but il n'arrive pas. He doesn't reach there. Il dit Asnat. He say Asnat. Monte là-bas. Go up on high. Qui peut dire amen? Who can say amen? Là, the mighty angel that descended. Branham dit. What I'm saying. L'ange puissant. The mighty angel. Il va tout droit. He goes straight vers les Juifs. To the Jew. Qui peut dire amen? Who can say amen? Mais, but il vient enlever son épouse. He comes and take his bride. Parce que, because Jésus ne peut pas se révéler aux Juifs. Jesus cannot be revealed to the Jew. Quand sa femme est sur la terre, when his wife is on earth, alors il prend Asnat. Then he takes Asnat. Monte à la maison. Go up on. Frère Branham dit c'est ça nous l'enlèvement. Paul say that is us the rapture. L'un de ces quatre matins, one of these four mornings, les sept tonnerres de Joseph, the seven thunders of Joseph, nous donne la foi de l'enlèvement. Give us the rapturing faith. Nous quitterons ce monde. We leave this world. L'enlèvement, ce n'est pas la mort. The rapture is not death. Ce n'est pas spirituel. It's not spiritual. Asnat était bel et bien absente. Asnat was absent. Frère Branham dit porté disparu. But Asnat said, you'll be disappear. Nous marcherons comme Enoch. We walk like Enoch. Et on ne nous verra plus. They see us no more. Nous marcherons comme Élie. We walk like Elijah. Les chars de feu. And the chariots of fire. Nous amènerons à la maison. We bring us home. Est-ce que croyez-vous à ça? Do you believe that? C'est l'heure où nous sommes. That where we are. Bientôt l'épouse est en train de quitter le monde. Soon, very soon, the bride will leave the earth. Quand nous quitterons le monde, when we shall leave the world. C'est là où Joseph. Then Joseph. Il a enlevé les habits. Remove his garments. Égyptien. Egyptian garments. Et il parle le break. He will speak Hebrews. Il dit mes frères. My brothers. C'est moi votre frère. It me your brother. Frère Branham dit. But what I'm saying. Ça ce n'est pas son ministère. That this is not his ministry. Il faut qu'il y ait deux prophètes hébreux. There must be three, two prophets Hebrews. Qui parlent le break. Speaking Hebrews. Élie et Moïse. Elijah and Moses. Et un prédicateur a été scandalisé avant-hier. And one preacher was stumbled the day before dans yesterday. Les questions répondent sur le saut. In question and answer on sins. Branham n'avait pas encore la vraie chose. Branham still didn't have a good thing. Il pensait que ce serait l'esprit d'Élie et de Moïse dans les deux Juifs. He thought it would be the spirit of Elijah and Moses in two. Quand Dieu lui donne la révélation de cette trompette, when God gave him the revelation of seven trumpets, en 64, in 1964, Dieu lui dit c'est pas comme ça. God told him it's not so. Le même Moïse, la femme d'Amram et de Jochebed, he said the same Moses, the son of Amram and Jochebed, Dieu le ressuscitera en personne. God will resurrect them again. Il dit le même Élie de Tishbite. The same Elijah of Chittibites. En personne. Will be there. Ils ne vont pas naître. They won't be born. Après l'enlèvement. After the rapture. Ils apparaîtront à Jérusalem. They will appear in Jerusalem. Parce que. Because. Celui qui les a conduits dans les bouquets de taureaux, c'était la loi de Moïse. The one who bring them in the sacrifice of bulls and bulls. It was the law of Moses. Moïse lui-même va venir leur faire sortir. Moses himself will come and bring them out from et it. Élie va frapper le monde. And Elijah will hit nature. Maintenant, Frère Branham dit. Now, Brother Branham say. Dieu n'envoie pas deux prophètes au même moment. God doesn't send two prophets at the same time. Mais comment ils sont deux? How come there will be two? Zakola, qu'est-ce que tu dis? Zakola, what do you say? Frère Branham répond. But Abraham responds. Élie ne prêchera pas. Elijah won't preach. Parce que Élie le titubite. Because
Elijah the Tishbite n'avait pas un message. Never had a message. Jean-Baptiste avait un message. John the Baptist had a message. Mais Élie de Malachie 4 Elijah Malachi 4. Ah, et le message. He's got a message. Et le miracle. He's got wonders. Mais celui qui vient le Tishbite. But the one who came, the Tishbite. Comme il n'avait pas un message. Yes, he never had a message. Il faisait seulement le miracle. He only did miracles. Il fera seulement le miracle. He will just do miracles. C'est Moïse qui avait le message de la loi. It's Moses who had the message of law. Moïse leur prêchera le message de la grâce. Moses will preach to them the message of grace. Moïse leur répétera ce que Branham avait déjà dit. Moses will repeat to them what Branham already spoke. Il leur prêchera le Saint-Esprit. He will preach to them the Holy Ghost. Et en ce moment-là, then, ça accomplit en symbole. It will be fulfilled in symbol. D'où vient les cicatrices? Where does this wounded come from? Jésus dit dans la maison de mes frères. Jesus will answer in the house of my brother. Branham dit cela ne veut pas dire que Jésus va monter les cicatrices. Branham say it doesn't mean that Jesus will show the wound. No. Il dit, ce sont des symboles. Those are symbols. Quand Moïse et Élie prêchent, when Moses and Elijah preach, ils vont se souvenir comment il avait crucifié. They will remember how they crucified him. Il dit ce serait le deuil en Israël. Then it will be a mourning in Israel. Ils pleureront pourquoi ils l'ont crucifié. They will weep why they've crucified him. Ce serait le deuil dans la vallée de Megiddo, dans la vallée de Megiddo et d'Adrimon. It will be the weeping in the valley of Megrimon. Ce serait le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. It will be the weeping, the mourning of Gargamel. En ce moment-là, then, les Juifs, the Jews, leur péché sera fini. Their sin will end. Ils croiront que Jésus est le Messie. They'll finally believe that Jesus was the Messiah. Maintenant, 2 minutes pour détruire la dernière doctrine fausse. Now, 2 minutes to destroy the false doctrine. Les prédicateurs ont enseigné. The preachers have preached. Qu'il était venu vers eux. Which he came to them. À la première venue, Jésus n'est pas venu pour nous. At the first coming, you must keep in mind, Jesus never came to us. Qui peut dire amen? Who can say je amen? Suis venu pour les brebis perdues d'Israël. I've come for the lost sheep of Israel. Quand ils ont péché contre lui, then when they sinned against him, ils l'ont rejeté. They rejected him. C'est dans cette forme-là, then in that form, que nous les gens des nations, as people of nation, nous l'avons reçu. We have received him. Si vous comprenez, dites amen. Who can say Paul, amen? Irénée, Paul, Irénée, Martin, même Branham, nous prêchons Jésus de la croix. They are preaching to us Jesus of the cross. Pourquoi frère Branham a sanctifié cette photo? That's why Brother Branham sanctified this picture. Nous l'avons reçu dans cette forme-là de juif. We have received him in that form of the Jew. Mais à la fin, but in this end, Jésus prend la forme d'un homme et des nations. Jesus take the form of a man of nation. Maintenant, il y a une doctrine qui dit. Now, there's a doctrine that says. Le mystère de l'échange. The mystery of exchange. Comme nous, on a reçu dans la forme des Juifs. As us, we have received in the form of the Jew. Et le recevons dans la forme des gentils. Them, they will receive in the form of Gentiles. Ça semble bon. It look good. Mais c'est pas la parole. But that is not the word. Pourquoi? Why? Élie et Moïse. Elijah and Moses. Ne prêchent pas les 144,000. They don't preach to the 144,000. Et ils n'ont pas été incrédules en Jésus ici au temps de la fin. Them, they were not unbelievers in Jesus in this end time. Ils n'ont pas péché contre Jésus dans Branham. They never preach. They never sin. Jesus in Branham. No. Mais ils ont péché. But they sinned. C'est-à-dire ils ont été incrédules. It means they were unbelievers. Contre Jésus dans Jésus. In Jesus, in Jesus. Ils n'ont pas été incrédules à l'œuvre du septième sceau. They never were unbelievers in the works of the seventh seal. Ni la pierre angulaire. Neither the capstone. Ils ont péché contre la pierre. Ni la pierre défaite, pardon. Neither the capstone. Ils ont péché contre la pierre angulaire. They've sinned against the cornerstone. Contre l'agneau, le Messie homme. They've sinned against the lamb, the Messiah man. Pour ôter leur péché. Now, to remove their sin. Les 3 ans et demi. In these 3 years and a half. Que Jésus prêchait. That Jesus preached. Ils ont été incrédules.
They were unbelief. On l'a tué. They killed him. Alors qu'il devait prêcher 7 ans. While he's supposed to preach for 7 years. Maintenant les 3 ans et demi qu'Élie et Moïse prêcheront. Now, the remaining 3 years and a half that Elijah and Moses will preach. C'est pour les connecter. Is to bring them back. Aux premiers 3 ans et demi. To the first 3 years and a half. J'ai des citations, frère Branham me dit. I've got quotation, brother Branham say. Que Élie et Moïse. That Elijah and Moses. Prêcheront aux Juifs Jésus de la croix. Will preach to the Jew Jesus of the cross. Que celui que vous avez crucifié à la croix. The one that you crucified the cross. Mais en répétant par le message du septième ange. But by repeating the message of the seven angels. Et en leur prêchant Jésus de la croix. Preaching to them Jesus of the cross. Celui qui s'était incrédule. The one to whom they were unbelieved. Quand ils croiront, then, when they will believe, ce serait au nombre de 144 000. It will be only the 144,000 that will alors believe. Dieu leur donnera le même Saint-Esprit que nous. Then God will give to those ones the same Holy Ghost than us. En ce moment-là, in that time, le deuxième but est accompli. The second purpose is fulfilled. Dieu a mis fin à leur péché. God will end their sin. C'est-à-dire, il a mis fin à leur incrédulité. It means he ended their unbelief. C'est-à-dire, ils ont maintenant cru. It means they now believe now. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you.